Bienvenue dans la gueule, tout va bien, c'est le rendez-vous du jeudi soir, 20h05, on n'est pas dégueu. Ouais, on est bien. J'espère que ça va bien, vous chez vous. Merci d'être là-bas, vous le savez, c'est le rendez-vous du jeudi où on parle de chiens, on parle évidemment de vous, de vos chiens, du monde canin, de plein de choses. Ce soir encore, tout à l'heure, il y aura Franco, notre vétérinaire, évidemment, comme tous les jeudis soirs, avec toutes les questions que vous lui posez. Et ben, on parlera chenilles processionnaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, attention, ça c'est un vrai truc qui peut toucher tout le monde et très très dangereux. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, restez là, ça sera tout à l'heure. On va jouer, évidemment, ce soir. Bah oui, on jouera pour gagner une box gourmande de chez Pettywell d'une valeur de 100€. Voilà, avec plein de trucs sympas à l'intérieur à déguster. Alors pour vous, si vous voulez, hein, surtout pour les chiens à la base. Et puis, évidemment, on a deux choses à annoncer. Ah, ce soir, ouais. On a deux trucs, deux choses très importantes. La première, comme promis. Ah, ça, on l'avait promis. Alors, c'est la moindre des choses. On a créé un code promo sur nos formations en ligne. Évidemment. À notre image. Ah bah non, mais là, voilà. Et, écoutez, vous étiez là peut-être jeudi dernier. C'était un bordel sans nom. Normalement, les gars, on travaillait jour et nuit hein, pendant 7 jours pour régler tous les problèmes. T'es pas là, l'enfer. Arrêtez, allez, quoi, parce qu'après, il n'y a plus de code promo. On va tout mettre gratuit. Donc non, là, code promo ce soir, toute la durée du live pour vous sur toutes nos formations en ligne. Donc c'est le moment de vous faire plaisir. Le code, c'est BUG30. Bah oui, forcément. BUG30. Ça marche sur toutes les formations, sur Esprit Dog Family, sur Esprit Dog Show, sur Esprit Dog Pro, évidemment. Et en plus, tu sais quoi, on va rembourser 10 personnes à la fin du live. Voilà, on remboursera 10 paniers à la fin du live, donc soyez tout de suite là, cherche un mot, okay, t'sais, quand t'es un peu ouais. Dans l'action, tu vois. T'es... Suivez le live déjà, on peut ouais, dire, alors suivez déjà. Le live, ça c'est bien, c'est vrai, ça. Mais en tout cas, BUG30, BUG30, c'est le code promo à utiliser tout de suite maintenant pour vous faire plaisir sur toutes nos formations en ligne sur espritdog.com. Et puis, le grand truc, il y a l'annonce, on vous annonce depuis 2-3 mois maintenant, et ben elle est ce soir, on a quelque chose de très grand à vous annoncer, on est très content de pouvoir l'annoncer ce soir, je vais vous le dire, franchement on peut se le dire, c'est le plus gros truc qu'on ait fait. Ah ouais, bah clairement. Depuis que Esprit Dog existe, c'était le plus gros truc qu'on ait fait. Mais à votre avis, c'est quoi? Alors, on va jouer un peu, vous commenter comme ça, et puis on vous l'annoncera à un moment dans le live, on vous dira ce que c'est. Mais dites-nous, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? C'est quoi ce gros truc qu'on n'a jamais fait, et c'est le plus gros truc depuis qu'Esprit Dog existe? À votre avis, c'est quoi? Commentez, on est en direct sur Facebook, en direct sur YouTube, vous commentez, et vous savez quoi? Parmi, s'il y a des bonnes réponses, s'il y en a ouais. Qui trouvent, on offrira un pack Esprit Dog. Voilà, on tirera au sort quelqu'un, on lui offrira un pack Esprit Dog. Commenter, c'est très gros. Hein. C'est énorme. C'est très gros, je vous le dis direct. Donc, commencez à nous dire. Ça peut être tout, hein. Il n'y a pas d'indice. Pour l'instant, on ne donne pas d'indice. Tony Président, dit Karine. Ah, le flair. Hey. On y est prêt, non, en tout cas. Non, c'est pas ça. Déjà, voilà. Mais en tout cas, on pourra demander. Ah oui. Parce que c'est la personne qu'on reçoit quand même. Oui, on reçoit une personne pour parler de ça. C'est vrai qu'on reçoit une personne pour parler de ça tout à l'heure. Et c'est oui. Vrai. En attendant, tout de suite, c'est le sondage du soir. Quand on passe à table, il n'est pas rare de voir se rapprocher nos compagnons à quatre pattes. Si certains attendent sagement dans leur panier ou à bonne distance, d'autres, au contraire, vont manifester plus clairement leur envie de goûter à ce qu'il y a dans nos assiettes. Regard attendrissant, petit couinement ou bien encore bave au coin des babines, tous ces signaux montrent clairement l'intérêt des chiens pour le repas de leur maître. Mais cela leur permet-il d'obtenir ce qu'ils veulent? Aussi attendrissant soit-il, il semble pourtant que cela ne soit pas suffisant car d'après un sondage, seulement 22% des maîtres craquent et donnent à manger à leurs compagnons à table. Alors, est-ce que vous craquez? Dites-nous, est-ce que vous filez un petit truc comme ça? Tu nous diras tout à l'heure et puis tu vas surtout nous dire si c'est une bonne chose ou pas. Vous êtes nombreux à réagir en tout cas sur l'annonce qu'on a à faire ce soir. Judy, Tony a adopté son félin. qui suivent, hein, parce que alors, ça... Ils sont dessus, hein. Ah, non, c'est pas ça. On a une grande annonce, une série sur Netflix, Dorian. C'est pas ça. Sabrina, très important, Sabrina. Le panic dog qu'on a. Moi aussi, Sabrina, moi aussi, je l'attends. Non. Ça arrive. Dans deux semaines, il y a Charlotte qui dit quand Rome nous dit on va jouer, on a peur maintenant. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Même moi, hein, je vous dis la vérité, j'ai peur dès que je prononce cette phrase. Alors bon, non, allez, continuez d'essayer de trouver et puis réagissez au sondage du soir. Est-ce que vous donnez à manger à votre chien à table? C'est ça la question. Julie est là avec nous. Salut Julie, bienvenue. Salut Tony, salut Rome. Salut Julie, bienvenue à toi. Alors Julie, dis-nous toi, est-ce que tu files un petit truc là quand t'es à table comme ça?
Moi, je fais partie des 22%, ouais. Ah, voilà. Tu fais partie des 22%. Ouais, ouais. C'est quoi, tu... il attend, il sait comment ça se oui, passe. Ah oui, ben, moi, je me souviens de la vidéo où Tony avait Marley qui est allé dans son panier quand il est allé sur le canapé. La mienne, elle vient à ma place, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Comme donc, ça, au moins, c'est bien clair. Elle me regarde, je peux pas, il faut que je cède. Toi, tu cèdes. Et quoi, tu files un petit morceau de ton assiette ou autre chose, une friandise à elle? Ah non, non, de mon assiette. Oui. Moi, je partage. comment s'appelle ton chien? Elle s'appelle Oli. Oli, très bien. Et bon, on l'embrasse. Ouais. Et ben, Julie, tu fais partie des 22%, en tout cas. Ben ouais. Et Julie, ben, merci. Mienne, merci à toi, Julie, à très vite. Oui. Attends, il n'y a que 22%? Parce que moi, je vais l'arriver. Hein. Non, mais, ouais, j'ai merci, rien merci, d'être, moi, j'ai rien merci de... Salut, enchanté, Romaric, bienvenue. Il n'y a que 22% qui donne la table. 88% de mytho. Allez, mytho. On va pas se mentir, 88, j'ai dit, non, 78% de mytho, ouais. Non, non, bah oui. Oh, attendez, c'était escroquerie. Vous allez me dire, il n'y a que 22% qui donne. Bah, tu sais quoi, il y a Juliette qui est là. Et Juliette, elle, c'est non. Salut, Juliette, bienvenue. Salut, bienvenue. Toi, c'est non. Toi, à table, c'est non. Non, non, moi je suis radin, sadique, non, non, c'est non négociable. Alors du coup, comment s'appelle ton chien? Nestor. Nestor, est-ce qu'il a compris, Nestor, que tu donnais rien ou il attend quand même un petit peu tout le temps? Ah non, non, en fait, je l'ai eu à 2 mois et ça n'a jamais été possible. Donc en fait, il n'envisage même pas l'idée de demander. D'accord, bah, ça c'est clair. Ça c'est une éducation esprit dog chiot, mon petit pote. Ouais, ouais, voilà. Ils n'ont pas dû l'avoir, les miens, tu vois. Non, tellement. Les autres, oui. Donc toi, c'est non. Et ça te fait pas un peu de la peine, des fois, tu te dis pas, tiens, tu manges. Ah ben non, parce qu'en fait, quand je mange, il est installé à côté de moi dans le canapé, les quatre fers en l'air, il pionce. Tranquille, quoi. Rien à faire, super. Eh ben, merci, Juliette. Alors, la question, c'est... Attends, sur la peine, elle a raison. C'est oui. Une question de merde que tu lui poses, parce que quand ton chien, il mange, ouais. Ça lui fait de la peine de pas qu'il te file pas une croquette à toi? Ah non, lui, s'en fout, lui. Bon, mais bah, des fois, t'as des yeux, tu sais, il te regarde... Non, il te dit dépêche. Ah ouais, bah moi, je le dis, s'il te plaît, voilà. Pour moi, il est poli. Mon chien est poli, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que est-ce qu'il faut le faire, ça, déjà? Est-ce qu'il faut donner à manger ou c'est interdit, formellement? Il faut faire... ce qu'on a envie de faire déjà, okay. D'accord, ouais. Il n'y a pas d'interdit formel, ça n'existe pas. En éducation canine, ça n'existe pas, ça, d'accord, okay. Maintenant, on s'adapte au profil du chien et surtout à ce qu'on lui propose au quotidien. Il faut arrêter les « tu dois jamais donner » ou « tu dois tout le temps donner » ou « tu dois dire bonjour quand tu rentres » ou « pas dire bonjour ». Ça n'existe pas tout ça. Et regarde, j'ai l'impression que les deux personnes qu'on a eues là sont aussi heureuses et épanouies l'une que l'autre. Ça n'a pas pourtant, l'air de poser de problème. Une fait oui et l'autre fait non. C'est vrai. C'est pas ça n'a pas l'air de poser de problème. Le vrai problème, c'est quand tu commences à mettre peut-être de l'aléatoire. Je te donne, aujourd'hui je te donne pas. Il comprend et machin. Pas. Et en plus, si t'as un petit casse-couille, tu vois, il va t'emmerder là, tu vois. Tu vois un peu le truc? Ouais, je vois le truc. Toi, tu donnes, toi? Moi, j'ai donné. Ouais. Moi, j'ai donné. Et quand son chien a dépassé 100 kilos, Marley. j'ai pu donner. On voyait plus les pattes. Non, mais écoute, on va dire la vérité. J'ai donné. Et puis, dans Esprit Dog Family, on voulait tourner une vidéo pour apprendre à son chien. Dès que tu poses l'assiette, hop, il va dans son panier tranquillement. Ouais. On l'a fait avec Marley. Du coup, je lui ai appris un nom. Alors, ça se fait très vite. Hein. J'avoue qu'en 10 jours, il avait compris. Alors qu'il était là à quémander. Donc, si votre chien vraiment est un peu relou. Family, comme ça, c'est facile pour ça. Hein. Ah ouais, ouais. Là, prenez Esprit Dog Family. En plus, surtout... ce soir, moins 30%. Avec le code Bug30. Surtout s'il est très relou et gourmand. Ouais. Parce que pour Marley, on a utilisé une tactique qui était extrêmement simple. Hein. On pose, si tu y vas et que tu ne bouges plus, tu vas gagner à la fin. Voilà. Tu vas manger. Si par contre tu es relou, tu vas devoir y aller, mais en plus tu vas rien gagner. Ça c'est vrai. Bon, bah, t'inquiète pas que Marley. Ah bah, ça très vite. Ouais, si vous voulez le faire, en tout cas Esprit Dog Family, profitez-en ce soir. Mais alors c'est vrai que pour le coup. Et rien, non, j'ai jamais donné. Ce qui fait qu'en rien, pour le coup, on passe à l'homme, elle dort, tout ça. Ouais, mais quand même qu'à moi quand je vais manger. Alors par contre, oui. Alors non, les deux. Il n'y a pas de problème. Attends, quand tu viens manger à la maison, bah oui, ils ont compris. qui donnait un petit peu, tu vois, qui distribuait un peu. Bah oui, bien sûr que oui. Bon, en tout cas, 22%. Je vais vous dire la vérité. Vous êtes tous des mythos. Ce sont un peu les mythos quand même. Hein. C'est l'escroquerie. Bah bien sûr, il y a Drix qui dit quand je vais au McDo, je ramène un Happy Meal. T'es encore pire que nous. Je ramène un hamburger. Toi, oui, c'est vrai. Moi, je vais au McDo, je ramène un hamburger. Un hamburger. Hein. À mes chiens. C'est vrai, t'as raison. Gwenaëlle, ça compte ceux qui tombent de la chaise des enfants. Ah, tu m'étonnes que là, oui, bah là, c'est distribution, hein, c'est cadeau. Bon, restez là en tout cas, on va parler des présidentielles dans 2 minutes, puisqu'il y a un site internet qui est sorti.
et qui en gros recense un peu les programmes par rapport aux animaux, les programmes de chacun, qu'est-ce qu'ils font pour le bien-être, et un site qui les a classés en fait tous les candidats. Et puis on sera avec une des fondatrices du site tout à l'heure pour qu'elle nous explique un peu tout ça, voilà, si ça vous intéresse en tout cas, ce que pense peut-être le candidat pour lequel vous voulez voter, ce qu'il pense un peu des animaux, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Ah, c'est la soupe à la grimace là pour ça, hein. On va pas se raconter n'importe quoi. Un peu compliqué. Quoi, hein. Puis ce soir, je vous rappelle, exceptionnellement, Bug30, c'est le code promo à utiliser absolument, 30% sur toutes nos formations en ligne. Bug, pourquoi? Parce que la semaine dernière, on peut dire qu'il y a eu un ou deux bugs. Hein. On a même pas pu faire le débat. Autant de taf. Ouais. Pour faire tout ça, pour finir par des gens qui vont se connecter peut-être pour la première fois. Oui. Le code, c'est bug. Ouais. C'est vrai. Ça donne pas très la confiance, pas trop. Hein, c'est vrai. Et puis on a une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Continuez de nous dire un peu. Essayez de deviner ce qu'on a à vous annoncer. Émilie dit, vous allez éduquer les chats. Non, c'est beaucoup plus gros que ça, les amis. Beaucoup plus gros. En attendant, voici Majid. Salut. C'est pas vrai. C'est de l'entrée ça, hein. C'est pas mal. C'est pas mal comme c'est vrai. C'est vrai. Putain, il est arrivé sûr de lui pendant le jingle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien arrivé sûr de toi. Ça va, Majid? Ouais, ça va. Ça va. En plus, c'était de l'impro tout ça. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, c'est quel talent. Ouais, quel merci, talent incroyable. Merci, quel talent incroyable. Alors, dis-nous. Eh ben, on va commencer directement avec une mauvaise nouvelle. Ah. Malheureusement. Ouais. Peut-être que vous l'avez entendu dans la pub d'avant live. Mais après des semaines d'une grande amitié, d'une grande collaboration, on n'offre plus de box Martin Cellier. Martin Cellier, la marque aux papillons. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'y était habitué. Il faisait un peu partie de la famille, Martin Cellier. Hein. La marque aux papillons, on les embrasse, évidemment. Et je sens que ça a un peu choqué les gens. Parce que j'ai reçu une photo de la part d'Elfie sur Instagram. Okay. Qui voulait un peu lui rendre hommage pour Martin Cellier, la marque aux papillons. Regardez cet hommage. C'est très drôle. Ouais, bravo, bravo, bravo. On vous aime, Martin Cellier. Mais oui, oui. Et Martin Cellier, si tu nous entends, n'oublie pas que c'est payant tout ce qu'on fait là. Ne déconne pas. Hein. Normalement, hein, c'est ça cadeau. Voilà, petit père. Hein. Allez. Bon, maintenant on peut commencer. Oui. On commence avec une vidéo par rapport au sondage qu'on vient de faire. Ouais. Est-ce que vous donnez à manger à votre chien à table? Ouais. Ok. Et ben j'ai trouvé un chien. Je sais pas si son maître lui donne, mais en tout cas on peut deviner que lui, il a vraiment envie de manger à table. Regardez. Okay. Ouais. Mais ceci dit, il est calme. Hein. Bah, il est très calme. C'est mignon, limite. Limite, tu donnes. Hein. Tu la sens, la petite pression qui t'installe quand même. Ah ouais, là, quand même. Hein. Que... Là, tu le sens quand même que. C'est très drôle. Bravo. Bon, lui, c'était mignon. Oui. Et j'ai trouvé une autre vidéo aussi d'un chien qui, lui, je pense, son maître ne lui donne pas à manger. Et malheureusement, il a voulu se venger. Regardez. Ah, lui, il a pas cherché à comprendre. Énorme, allez, terminé. Ouais, il a pas réfléchi. J'ai aussi trouvé la vidéo d'un chien qui, alors son maître ne lui donne pas forcément à manger. Lui, il se débrouille, vous inquiétez pas, il a trouvé la technique. Regardez. Hop là. C'est très bien. Ah, c'était furtif. Ah, c'était très furtif. On peut la remettre ou pas? Je veux la revoir, celle-là. Non, tu peux la remettre parce que. Regarde, il est malin. Je l'ai pas vu arriver, bravo. Et là, tout est fait exprès. Hein. Oui. Là, ça tout est volontaire. Hein. Ça se sent. Un pickpocket, le bordel. Alors lui, tu le mets dans le métro, il te rafle tout. Ouais. Magnifique. Pense à son maître qui a voulu caresser. Mais... Oh, mon chien est mignon. Ouais, et tac le gâteau. Génial. Bon, on va parler de Spitz un peu. J'ai reçu cette vidéo des dizaines de fois. Vraiment, il y a eu plein de gens qui m'ont envoyé en disant « Regarde, peut-être que ça va motiver Tony à prendre un Spitz, etc. 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 » Tu regardes la vidéo, tu me dis ce que t'en penses, Tony. Peut-être que celui-là, il va te motiver. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Il fait pipi. Il fait pipi comme ça? Il fait pipi comme ça. Ah, j'avais pas vu qu'il faisait pipi. C'est énorme. Alors? C'est énorme. C'est pas génial. Mal. Ça, c'est vraiment très fort, bravo, ça. Bravo. Eh oui, voilà. Bon, peut-être. J'adore. D'ailleurs, la fiche de race du Spitz est sortie. Ah, voilà, je te la prends, mais il ne faudra vraiment rien du tout. Et lequel de Spitz? Le Spitz allemand, mon petit pote. Ah ouais? Ouais. T'es sûr de toi? Ah bah oui, je suis sûr de moi, c'est moi qui ai mis en ligne hier. Eh bah très bien, sûr que non. Voilà, Spitz allemand est sur nos réseaux depuis hier, les amis. Et puis il y avait déjà le Spitz japonais, il y a deux mois. Ah ouais? Eh ouais. Okay. Eh voilà, mon petit pote. Il y avait l'autre Spitz? Ah non, il n'y avait pas l'autre Spitz, parce que l'autre Spitz, c'est 52 autres Spitz. Alors on a dit, bon, c'est bien déjà. Eux, c'est un bordel. Hein. Ah, les Spitz? Si t'es pas un expert du Spitz, t'es foutu. Hein. 52 là, tu débarques. Là. Oh, c'est bon. Bon,
Écoutez, excuse-moi. J'ai rien à dire sur les spits, donc pardon, je vais désolé. Enchaîner. Bah, enchaîne. Je suis aussi tombé sur une annonce, d'accord. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, en tout cas, s'il y a des temps pluvieux en ce moment, vous savez, en France, ouais, etc., en Bretagne toute l'année, enfin bref. Ouais. Pour les temps pluvieux, il y a une personne qui a passé une annonce, regardez. Il est content, voilà, très bien. Et comme c'est une annonce, ouais, pour louer un chien, vous pensez qu'on peut la trouver sur Le Bon Chien? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Le Bon Chien. Mais oh, coin et chien, c'est pas... Oh là là. Mais quand même... Mais toutes les semaines, tu vas nous en faire une comme ouais, ça. Bah, ouais. C'est-à-dire qu'il y a, pas, il y a une lettre en commun. C'est vraiment même plus un jeu de mots. C'est-à-dire que tu changes les mots, quoi, ouais, finalement. Putain, mais moi, je suis fier de moi, là. Bah ah, bravo, okay, bravo. Dites-nous okay, si vous êtes fier de lui. Voilà, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires que vous êtes fier de moi. Si vous aimez cette blague, dites-le. Bon, ok, je change, je vais parler football. Ah, très bien. Un petit moment football. Ouais. Ah, voilà, parlons football. Ça change un peu. J'ai trouvé la vidéo d'un chien qui regarde un match avec sa maîtresse. Et vous allez voir, le chien, il vit vraiment, vraiment le match. Regardez. Spettatore di Cannavaro. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo. Pirlo, ancora, Pirlo, di tetto. Pirlo. Énorme. Magnifique. Il s'est peut-être fait mal le chien, en vrai. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que si vous entendez bien, il regardait un match de l'Italie. Ouais. Et que ouais, techniquement, pendant 4 ans, là, il va pas trop se faire mal. On embrasse tous les Italiens. On embrasse les Italiens. Je peux me permettre de vanner les Italiens sur le football parce qu'il faut le savoir, je suis algérien et fan du PSG. Ça veut dire que vous faites des illusions. Oui, c'est vrai. Voilà, au niveau des illusions, je suis bien. C'est vrai, c'est pas dégueu. Bon, sinon, vous savez ce que ça fait de skier un golden dans une maison? Bah non. Bah moi non plus, en vrai, j'espérais qu'il y ait une blague. Ah non, désolé. Bon, apparemment, il y en a un que ça fait chier, juste, regardez. Ça l'embête un peu. Ouais, apparemment, ouais. Une belle image des huskies, encore une fois. On aime le cliché. Mais bien sûr. Et enfin, je vais finir cette chronique avec une vidéo qu'on m'a envoyée. C'est la meilleure vidéo de la semaine. Et je vous avoue que ça me fait un peu chier parce que la meilleure vidéo de la semaine, c'est même pas moi qui l'ai trouvée. Oh, c'est une question d'habitude. On me l'a envoyée à live@espritdog.com. On n'oublie jamais. Mais cette fois-ci, c'est Nono qui me l'a envoyé. Nono de la régie. Nono Tata Cuisine. Nono... Chef Nono. Chef Nono, ouais, chef voilà, Nono. Parce que notre gars sûr. Nono, bien sûr. Nono le gars sûr. Surtout notre gars sûr. Nono, grâce à qui, entre autres avec toi, c'est ouais, 50% du taf, ouais, vous avez ce code ce soir, BUG30, avec 30% sur toutes les formations en ligne sur espritdog.com. Merci. Exactement. Merci Nono. Oh, ça fait bien. C'est très bien. Chef Nono, mettez-vous debout. Merci Nono. Merci. Bon, vous allez voir, c'est Nono qui me l'a envoyé et ça vous donne une idée à peu près sur des vidéos sur lesquelles regarde. Regardez. Hey, la fin, je l'ai tellement pas vu arriver, j'ai mis 2 secondes à réagir. C'est la meilleure vidéo de la semaine, on est d'accord. C'est la meilleure, merci chef Nono. D'accord. Eh, voilà, merci Tata Cuisine. Tata Cuisine. Et pour finir. Ah, c'est toujours pas fini. Ouais, là, ça fait pas 8 jours que t'es ouais, là un peu. Même, hein. T'as l'impression que t'es là depuis la semaine dernière, moi, non? Je suis bien. Très bien. Bon, regarde mon t-shirt, tout ça. C'est vrai qu'il fait bon ici. Ouais. Hein. Mais pour finir, non, j'aimerais juste remercier quelqu'un, s'il vous plaît. Ouais. J'aimerais remercier Alain, parce que la semaine dernière, vous savez, vous vous en rappelez, hein, j'étais déguisé. En clown. En clown, etc. Et ça a parlé de me déguiser cette semaine. C'est vrai. Et dans toutes les idées, il y a eu l'idée qu'on se déguise en trio. Ouais, je me souviens pas trop, mais d'accord. Non, j'ai pas eu cette idée. Il y a eu cette idée, et dans les propositions de déguisement trio, il y a eu Batman, Robin et Catwoman. Ouais. Et bah, grâce à Alain, on a une idée de ce que ça ferait, regardez. Allez, bâtard. Il y a du style. Il y a du style, Tony, Batman, moi, Robin. Et les enculés, ils m'ont mis en Catwoman, les bâtards, avec des cheveux. Mais attends, remets-la. Imagine, il a des mouches, je l'ai même reconnu. On dirait moi à 8 ans. Ah, c'est génial, merci Alain. Merci beaucoup Alain. Merci Alain, merci Magine, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir, un Batman pervers. C'est vrai ça.
Bon, on a une grande annonce ce soir. Grande annonce à vous annoncer. Annonce à vous annoncer, ça va bien ensemble. C'est quoi, à votre avis, un nouveau centre Esprit Dog en France, dit Sophie. Non, c'est pas ça. Une comédie musicale avec des chiens, Gwenaëlle. C'est pas ça non plus. Olivier dit un voyage spatial avec un abonné, son chien et l'équipe Esprit Dog. Richton, il a le nez, j'espère bien. Richton, un octogone entre Tony et les ultra-positivement négatifs. On va essayer. Je crois que c'est mort, hein, ça, Richton, qu'est-ce que tu veux. Eh ben, c'est pas ça, notre grande nouvelle, on va vous l'annoncer, hein, vous inquiétez pas, mais allez, jouez un petit peu, dites-nous, à votre avis, c'est quoi qu'on a à vous annoncer ce soir. C'est grand, c'est notre plus grand projet. Ouais, c'est gros, hein. Et on espère vraiment qu'il va vous faire kiffer, franchement, en tout cas, franchement, on n'en doute pas. Hein, on n'en doute pas, normalement, ça va vous faire kiffer, ça va nous faire kiffer, et on va kiffer tous ensemble. Mais pour l'instant, c'est le moment de parler présidentiel, politique, mais pas n'importe comment, évidemment. On va parler des candidats et surtout de leur programme envers le bien-être animal. Regardez. Ah, d'accord, tu veux pas que... Non. Je regarde. Ah oui, excuse-moi, excuse-moi, mais c'est... Ça ne marche plus ? Non, ça marche très bien, c'est moi qui ne marche pas. C'est vrai qu'avant, on a quelqu'un en ligne avec nous, c'est Adriana. Oui. Et Adriana, eh ben, elle est partie au ski, Adriana et Jordan. Salut Adriana et Jordan ! Hello ! Salut ! Salut à vous deux ! Alors excusez-moi, j'allais vous oublier, alors, t'as vu comme je passais... Alors que c'est, on est super content de vous avoir. Et Adriana et Jordan, vous avez voulu nous donner des nouvelles parce que vous êtes partis au ski avec votre chien. Et c'est vous, oui, c'est ça. C'est vous qui aviez gagné le voyage en ski dans le live de Noël, ouais, qu'on avait fait. C'est ça, exactement. Et alors, comment ça s'est passé? C'était cool. Et est-ce qu'on vous a bien reçu là-bas? Oui, super. Franchement, très top. Bien. Ouais, top, c'est top. Vrai. C'était sympa. Ouais. Il a fait beau. Oui. On a eu, ouais, pour une fin de saison, ouais, on a eu de la chance. Ouais, bah, en même temps, on avait demandé l'option. C'est pour ça aussi, on avait demandé. C'est vos photos là qui sont en train de défiler. Avec, comment s'appelle le toutou ? Rio. Rio, est-ce qu'il a kiffé ? Il était déjà allé à la neige ? Non, c'était la première fois, oui. Ah, c'est génial. Cool. Est-ce qu'il a kiffé la neige ? Ouais. Franchement, bah, après, on pouvait pas trop l'emmener, évidemment. Oui, skier, non. Non, skier, c'est compliqué. Skier, c'est chiant. Non, mais bon, évidemment, oui, on l'emmenait en balade avec nous. Et non, il a pu profiter des plaisirs de la neige. Bon, bah, c'est super. C'est cool. Eh, écoutez, si vous avez kiffé, merci en tout cas d'avoir envoyé les photos. Merci de partager ça avec tout le monde ici ce soir. Et vous revenez quand vous voulez, les amis. Hein. Avec plaisir. Bah oui, on voulait dire à tout le monde que c'était vraiment un plaisir d'aller en vacances avec son chien. Et vous pouvez le faire aussi pour ceux qui regardent, bah, ça vous rapprochera de vos petits bouts. C'est vrai, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai, Adriana, et c'est un beau message. Allons en vacances avec nos chiens, putain. Et la preuve, c'est pas compliqué. Alors déjà, on a fait Aventure Dog, les amis. Si vous regardez Aventure Dog, vous rendez compte que vous pouvez tout faire avec votre chien. Je vous le dis, mais c'est vrai, partons en vacances. On peut aller à la neige, on peut aller à la plage. On peut aller où on veut avec un chien. Là où tu veux aller, toi. La preuve, vous êtes allé, il y a des hôtels comme là où vous étiez allé. C'est cool. Et bah voilà, qui reçoivent les chiens avec grand plaisir. Merci à vous deux, en tout cas, à très vite. Merci à vous encore. Merci, salut les amis, restez là. Bug 30, ça c'est le code promo pour vous faire plaisir. 30% ce soir pendant la durée du live, donc ça dure quoi, encore 1h30, hein, c'est tout. 1h30, 30% pour vous faire plaisir. C'est pour nous excuser des bugs de la semaine dernière. Voilà, si vous venez d'arriver, bug 30, c'est le code promo. Vous allez sur espdoc.com, vous faites plaisir. Et en plus, on remboursera 10 personnes à la fin du live. Voilà, comme ça, eh ben, en plus, vous pouvez vous faire plaisir. Et ça se trouve, tac, l'argent revient directement. Ça sera double plaisir. Mais pour l'instant, cette fois-ci, on y est, on va parler engagement, on va parler candidat, on va parler présidentiel et évidemment bien-être animal. La SPA, One Voice ou bien encore la Fondation Brigitte Bardot. Au total, 29 ONG se sont réunies à l'aube des élections présidentielles pour que les animaux ne soient pas les grands oubliés de ce nouveau quinquennat. À travers la campagne et le site Engagement Animaux 2022, ces ONG ont choisi 22 mesures destinées aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à faire évoluer la cause animale. Parmi elles, interdire la vente d'animaux de compagnie à crédit, mettre en place un plan de lutte contre le trafic d'animaux de compagnie ou bien encore définir des conditions minimales de bien-être des animaux de domestique. Plus le candidat s'engage à respecter un grand nombre de ces mesures, plus celui-ci est alors crédité d'un nombre de points. Le site permet donc aux Français de connaître l'engagement pour les animaux de chacun d'entre eux. Et pour vous, en politique, l'engagement animal est-il important ? Est-ce que dans
les programmes, on va voter dans une dizaine de jours. Est-ce que dans les programmes, vous regardez un peu ce qu'il y a sur le bien-être animal? C'est vrai que, on va pas se mentir, on n'en parle pas trop. Non. Alors bon, il y a une actualité qui fait qu'elle prend toute la place, évidemment. Ouais. Mais on a un peu l'impression, des fois, un petit peu, on pourra en parler un petit peu quand même, des animaux et des chiens, évidemment, dans ces programmes présidentiels. Et heureusement, et ben voilà, il y a engagement-animaux.fr. Et c'est Lorraine Jacquet, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, qui est avec nous. Salut Lorraine, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Très beau tableau, hein. Très belle déco en tout cas. Merci, des animaux partout. Ah ouais, c'est vrai, il y a des animaux partout. Est-ce que toi, tu as des animaux, Lorraine? Oui, j'ai 3 chiens. Ils sont en train de faire la sieste à côté de moi. Ah bah super. Eh bah écoute, Lorraine, bienvenue. Merci d'être avec nous parce que c'est important, mine de rien. On va pas se mentir, on a l'impression que c'est un peu les oubliés, là, sur cette présidentielle, les animaux. Je suis pas tout à fait d'accord. Je corrige juste, je suis pas porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, je suis responsable campagne et plaidoyer, mais par contre, je suis porte-parole pour effectivement la campagne Engagement Animaux 2022. Très bien. Eh bien, écoute, Majid sera viré ce soir. Et puis voilà, on en parle plus, Lorraine. Très bien. Non, mais excuse-moi. Mais il y a porte-parole à la Fondation, c'est pour ça que je corrige. Tu as bien fait. Alors, dis-nous. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les animaux n'ont pas forcément leur place dans la campagne, parce qu'au contraire, pendant cette campagne, contrairement aux précédentes élections présidentielles, il y a quand même vraiment un engagement de pas mal de candidats sur le sujet, et il y a un intérêt médiatique aussi sur cette question qui n'existait pas, par exemple, dans la campagne de 2017, qui était moindre. D'accord. Et donc, on se félicite quand même de la couverture médiatique du sujet, malgré un contexte quand même très, très compliqué au niveau politique, hein, on est d'accord. Mais ouais, c'est sûr. On a quand même une couverture médiatique intéressante sur le sujet. Bon, c'est peut-être parce qu'on en veut toujours plus aussi, nous. C'est pour ça que, voilà, on a envie. Alors, vous avez en tout cas créé un genre de classement, hein, c'est ça, on peut se le dire, un classement des 12 candidats par rapport à leur programme et par rapport à des propositions que vous avez faites. Et vous leur avez demandé de s'engager, hein, c'est bien ça. Tout à fait, mais en fait, on s'est regroupé, on est 29 ONG de protection animale en France, on s'est regroupé, on a créé un ensemble de mesures, donc 22 mesures qui portent sur différentes thématiques de protection animale, hein, pas uniquement les animaux de compagnie, mais aussi la biodiversité, l'expérimentation animale, évidemment l'élevage, le transport et l'abattage, hein, qui est également un gros sujet, les questions de chasse, etc. Et donc, on a créé une charte avec des mesures qu'on propose à chacun des candidats, donc on a vraiment contacté tous les candidats, on a été reçus par certains candidats, par certaines équipes de campagne, et on leur a présenté les mesures, on leur a demandé de s'engager et puis de nous proposer un plan d'action pour chacune des mesures sur lesquelles ils s'engageaient. D'accord. Alors, est-ce que, par là, ici, on va parler un peu des chiens, même si, évidemment, ça regroupe et on aime tous les animaux, mais on est là ce soir pour parler des chiens pendant 2 minutes. Sur les chiens, c'est quoi un peu les points importants pour vous qu'il fallait mettre dans les programmes, ou en tout cas qu'il fallait que les candidats s'engagent? Nous, on a vraiment tourné nos mesures autour des questions de commerce et sur les conditions de détention, si on parle des chiens, en tout cas animaux de compagnie, hein, on est vraiment parti sur des mesures qui concernent le commerce et les conditions de détention, et bien entendu la prise en charge des animaux abandonnés et maltraités, puisque ça c'est également un gros sujet qui concerne de nombreuses associations qui sont dans le collectif. Donc on va dire que sur les mesures, si tu veux, je peux te les lister rapidement, ouais. Les mesures qui justement sont proposées. On a une mesure qui est la mesure de renforcement des exigences par rapport aux conditions de détention, donc faire en sorte d'améliorer la réglementation sur ce qu'on attend des conditions de vie à offrir aux animaux. On a, comme c'était indiqué dans le reportage également, une mesure sur la vente à crédit. Mmh. Ne pas s'endetter pour acheter un animal, c'est quelque chose qui nous semble être la base pour un achat ou une adoption responsable. On a également une mesure sur la lutte anti-trafic, parce qu'on sait qu'également les animaux de compagnie sont vraiment concernés par le trafic. Et donc il faut mettre en place un plan avec des moyens, avec une vraie réflexion d'une politique publique sur la lutte anti-trafic. Ensuite, on a une mesure qui est la création d'un fonds dédié à la protection des animaux, donc ça va être l'accueil des animaux abandonnés, maltraités, mais ça va être également l'aide à la stérilisation, l'aide à la prise en charge des animaux quand il y a des saisies, etc. Et puis après, on a d'autres mesures qui concernent un peu moins du coup les chiens, mais la stérilisation des chats libres, par exemple, qui est également une mesure importante, ouais. Et puis la mise en place d'une liste positive pour la détention d'animaux non domestiques. Donc, d'accord, tout ce qui est, en tout ça. Si on veut en savoir plus et voir bien toutes les mesures et celles qui concernent tous les autres animaux aussi, évidemment, allez sur engagement-animaux.fr. Une question, Tony? Ouais, est-ce qu'il y a un candidat qui se détache?
Alors, on a quelques candidats qui sont plus impliqués sur la question du bien-être animal, hein, que ce soit animaux de compagnie, mais également autres animaux. On a Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui sont vraiment top du classement, puisque c'est des candidats qui très rapidement se sont positionnés sur ces sujets et surtout à la fois qui ont signé notre charte, mais aussi qui ont des mesures dans leur programme qui vraiment montrent qu'il y a eu une réflexion aussi et qu'en tout cas, c'est un sujet qu'ils souhaitent porter au niveau politique. Il y a également Nathalie Arthaud qui s'est engagée. On a eu plusieurs candidats qui sont engagés, qui sont indiqués, dont les engagements sont indiqués sur notre site, effectivement. Okay. Sur la loi des chiens catégorisés, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit depuis des années. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? Est-ce qu'il y a des candidats qui aimeraient un jour la rendre juste? Il n'y a aucune proposition sur la question des chiens de catégorie. Je pense que ça vient du fait que c'est un sujet qui est encore assez controversé et même les organisations de protection animale ont du mal à savoir quelle serait l'alternative à la réglementation actuelle et à se mettre d'accord. Mais par contre, c'est un sujet qui doit être ouvert, et notamment dans la question de justement la mesure renforcement des conditions de détention, c'est potentiellement un sujet qui peut s'ouvrir à ce moment-là, comme par exemple à la réglementation des outils coercitifs de dressage, hein, torquatus, collier étrangleur, collier électrique, etc. Ça rentre vraiment dans la question des conditions de détention. Est-ce qu'on autorise en fait un propriétaire humain d'animal, enfin peu importe comment on l'appelle, ce qu'on lui autorise à faire avec son animal, les conditions dans lesquelles il doit mettre son animal et quelles sont les conditions potentiellement d'éducation aussi. Ok, très bien. Et, en tout cas, si vous voulez aller voir ce classement, est-ce qu'il y a des très mauvais élèves? Est-ce qu'il y en a vraiment? Ils en ont rien à foutre dans leur programme en tout cas. Ah bah évidemment, il y en a quelques-uns hein, qui n'en ont rien à faire. Après, c'est vrai que les candidats qui ne s'engagent absolument pas, par exemple Fabien Roussel, qui ne s'engage absolument pas sur la question, Jean Lassalle, qui ne s'engage absolument pas sur la question non plus du bien-être animal. Et après, on a des candidats tels que Macron, Emmanuel Macron, par exemple, qui n'a pas signé notre charte, mais qui a mis une mesure dans son programme, qui est la mesure de mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnés. D'accord. C'est une mesure très fourre-tout, très floue et qui, pour nous, n'est pas suffisante pour vraiment marquer un engagement pour les animaux. Ok, on est d'accord que tout ça a été fait, évidemment, d'un point de vue de neutralité totale, hein, politiquement. Ah oui. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas là pour faire de la propagande pour l'un, enfin pour un des candidats ou un autre. Là, c'est des faits. En fait, vous avez sorti des trucs. Et vraiment, c'est comme j'ai l'impression d'être au lycée, quoi, avec des points. Et voilà. Et au moins, c'est clair, c'est net, c'est carré. Allez voir ce classement donc sur engagement-animaux.fr. Est-ce que dernière question, t'as un espoir que les choses évoluent dans le bon sens pour les animaux dans les 5 ans qui viennent? Nous, on a évidemment un espoir parce que déjà en 2021, il y a une loi qui a été votée pour la protection des animaux et qui d'ailleurs concerne pas mal les animaux domestiques et animaux de compagnie, qui effectivement est un vrai espoir, en tout cas pour nous, c'est un tremplin pour aller vers encore mieux. Donc oui, il y a toujours un espoir et puis de toute façon, les ONG sont extrêmement mobilisées sur le sujet. On travaille énormément pour justement sensibiliser les politiques et l'opinion publique. Donc évidemment qu'on espère et qu'on est sûr que notre travail un jour sera récompensé, que les animaux vraiment auront la chance d'avoir une vie beaucoup plus belle. Très bien. Eh bien, merci Lorraine d'avoir été avec nous. Allez voir ce classement et allez en savoir plus sur engagement-animaux.fr. Il reste une dizaine de jours avant d'aller voter en tout cas. Voilà, chacun le voit comme il veut. Aujourd'hui, sur la scène politique, à voix haute. Je dis bien à voix haute, pas dans les programmes. Non, ouais, dans les programmes, il a l'air d'avoir des choses. À voix haute, quand il y a des débats, quand on les interroge sur leur programme, il n'y a pas un mot. Non, c'est vrai que sur les animaux de compagnie, il n'y a pas un mot. Alors, ça peut s'expliquer par le contexte actuel. Sur les débats grand public. Alors, peut-être que sur leur site internet, sur leur blog, sur les réseaux sociaux des candidats, peut-être qu'il y a un peu. Mais sur les lois qui sont passées, par exemple, cette année, le chien et le parent pauvre, parce qu'il y en a les trois quarts qui ont été dégagés des propositions. Des propositions, c'est dommage. Et je pense que si de l'espoir, elle a entièrement raison. Oui. Il doit y en avoir. Oui, ouais, bien sûr. Il n'y a pas le choix, en fait. Et puis, c'est vrai que c'était une première, ce qui s'est passé l'année dernière, en 2021, avec la loi. Ça,
En tout cas, ça présage quelque chose. Voilà, on est en train de s'ouvrir, même si c'est pas suffisant, c'est en train de s'ouvrir. Faut que tout le monde travaille ensemble. Faut que tout le monde travaille ensemble. En tout cas, réagissez et continuez de réagir. On va se retrouver dans 3 minutes pour débattre, évidemment. Pourquoi y a-t-il autant de disparités chez les éducateurs canins? Bah ouais, ça, vous en avez peut-être vu, vous, des éducateurs canins, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois. Et bah, le problème, c'est que sur 10 éducateurs canins, on peut avoir 10 discours différents. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Alors pourquoi? C'est la question qu'on va se poser ce soir avec des éducateurs canins, évidemment, avec des maîtres de chiens. Si vous voulez venir réagir et venir débattre avec nous, live@espritdog.com, évidemment. Et puis je vous rappelle qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Essayez de deviner ce que c'est. Sandrine dit vous invitez tous les abonnés en Espagne. C'est pas ça, Sandrine. Mais Christophe, ne plus avoir de bugs. Non, ça c'est trop. C'est impossible, Christophe, pour nous. Un jeu vidéo Esprit Dog. Chanty dit c'est pas con ça. Alison qui dit un Esprit 4 avec les filles en présentatrice et le nom de live, la babine. Voilà, ouais, déjà fait. Alison a déjà fait le programme entier. Hein. En tout cas, bon, c'est pas tout ça. Alors allez-y, essayez de deviner, commentez. On est en direct sur Facebook, en direct sur YouTube. Et puis je vous rappelle que vous avez le code promo ce soir pour nous excuser des bugs de la semaine dernière. Bah, le code c'est bug30. Pour vous faire kiffer sur toutes nos formations en ligne, sur Esprit Dog Chiot, Esprit Dog Family, Esprit Dog Pro, Prévention Morsure, Premier Secours, 30% là, pendant la durée du live, et en plus on remboursera 10 personnes à la fin du live, donc faites-vous kiffer, c'est le moment ou jamais, c'est ce soir, c'est le 31 mars, on revient dans 2 minutes, à tout de suite. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particulier avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formation en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez des box gourmandes Pettywell. Pettywell, des pâtés et des croquettes sans céréales adaptées aux besoins de votre chien, élu produit de l'année 2022. Ce soir, gagnez votre box gourmande d'une valeur de 100€ pour votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live@espritdog.com. Pettywell, des menus sur mesure pour votre chien, validés par des vétérinaires, à retrouver sur pettywell.com. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein. Ouais. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Ouais. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Merci d'être là, 20h-22h, en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, c'est la gueule, c'est votre rendez-vous, on parle de chiens, c'est la seule émission où on parle que de chiens, ouais. À pas se mentir. Et on a une annonce à vous faire ce soir, il y en avait deux. La première, vous la connaissez, c'est ce fameux code promo qui dure toute la durée du live, BUG30, BUG30, c'est pour nous excuser, bah, c'est la moindre des choses en même temps, parce que la semaine dernière, on peut se dire que... Oh, on a déconné. S'il y avait un Titanic des émissions, c'était nous, hein,
on va pas se mentir, il y a eu des bugs dans tous les sens, il y a eu plein de choses. Donc, pour nous faire pardonner, on n'a pas pu faire le débat, on n'a pas pu faire le jeu. Alors que le jeu, c'est le point culminant de tout ça. Donc, pour nous faire pardonner, évidemment, on a créé ce code promo ce soir pendant toute la durée du live. Donc, ça dure pas longtemps. Profitez-en pour peut-être vous faire kiffer sur Esprit Dog Family, sur Esprit Dog Chiot, sur Esprit Dog Pro aussi, hein, en ligne, évidemment. Bug 30% sur toutes nos formations en ligne sur espritdog.com. Et en plus, on remboursera 10 personnes à la fin du live. Et puis, la deuxième annonce, on l'a pas faite encore. Bah non. Ah, c'est la grosse annonce. C'est la grosse annonce. Et on vous le dit depuis un petit moment qu'on a un truc qu'on peut pas vous dire. Moi, j'ai envie de le dire. Hein. Non, bah non, bah non, ah, pas tout de suite. C'est des mois que j'ai envie de le dire. Non, bah, ah bah oui, bah ça, évidemment. Mais on y est, on va le dire dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on joue. Dites-nous, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'annonce? Je vous le dis, c'est le truc le plus gros qu'on ait fait. Enfin, qu'on va faire, parce qu'on l'a pas encore fait, depuis la création d'Esprit Dog. C'est le truc le plus gros. Y a Nadej qui dit Majid et Marley montent un numéro de cirque. Non, mais c'est pas con, pour le coup. Et il y aura peut-être un peu de ça. C'est possible. Ah, on sait pas. C'est possible. Hein, on sait pas. Gaël qui dit Tony et Rome se marient. Non, pas encore. C'est encore plus gros, les amis. Une distribution, une tournée de distribution de croquettes partout en France. Zaika, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Arrête de me regarder comme ça, je te vois. Zeika, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas... Mais ça arrivera peut-être un jour. Peut-être un jour, ça arrivera, on sait pas. Et peut-être on a déjà des dates. Peut-être, on sait pas, mais pour l'instant, c'est pas ça, en tout cas. Nathalie qui dit, vous allez proposer un site de rencontre pour maître et maîtresse célibataire parmi la communauté Esprit Dog. Nathalie, Erika. Eh. Nathalie, c'est toi? Ah, c'est Nathalie! Est-ce que c'est toi? Nathalie qui est venue! Dis-le en commentaire si c'est toi! Ah hein, oui, Nathalie, dis-le! Ah, t'inquiète pas, on peut te caser avec Majid, par exemple, si tu veux. Il s'habille en clown tous les samedis soirs. Hein, voilà, je le dis pour toi. Bon, c'est le moment de débattre en tout cas. Tout à l'heure, il y aura Franco. On va parler chenilles processionnaires, sujet très important, parce que c'est très dangereux et c'est la période. Donc attention, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas ce que c'est, bah restez. Vous allez le savoir. Il y aura Majid, évidemment, sur le trottoir. Oui. Et avant le débat, juste faites attention, mettez les gants en latex. On va peut-être remuer un peu de merde. Ah. Donc on fait attention, le caniveau c'est dégueulasse. Allez, on y va. Voilà. Quand on a un chien ou un chiot, on peut faire appel à un éducateur canin pour plusieurs raisons. Cela peut être parce que l'on a un souci de destruction, de malpropreté, de peur, d'agressivité ou simplement parce qu'on ne souhaite faire aucune erreur avec son nouveau compagnon. Mais comment s'y retrouver parmi tous les professionnels? Beaucoup de propriétaires déplorent en effet être passés entre les mains d'éducateurs qui auraient fait plus de mal à leur chien qu'autre chose. Nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs dû faire appel à plusieurs pros avant de trouver le bon, celui qui a pu les aider. Mais alors, comment expliquer une telle disparité chez les éducateurs et comment reconnaître un bon pro? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Pourquoi une telle disparité chez les éducateurs? Et c'est vrai que si vous avez déjà vu des éducateurs, 1, 2, 3, eh ben, y a autant de discours qu'il y a d'éducateurs quasiment. Ouais. Et c'est vrai que eh ben, moi, je me mets, on se met à votre place. Putain, comment faire le tri dans tout ça? Même si, alors déjà sur Internet, c'est un bordel, mais en vrai, bien sûr. En plus. Et oui, évidemment, alors comment faire le tri dans tout ça? Et surtout, on va se poser la question de pourquoi? Pourquoi il y a une telle disparité chez les éducateurs avec ce débat? Je vous le dis, si vous, vous êtes éducateur, par exemple, et que vous voulez apporter votre petite touche au débat, voilà, apporter votre parole, et vous êtes le bienvenu. live@espritdog.com, qui que vous soyez, hein, d'ailleurs, ici, hein, vous savez, tout le monde peut venir à la maison. Et puis, si vous êtes maître de chien, vous voulez apporter votre témoignage, une expérience peut-être, vous êtes les bienvenus aussi, live@espritdog.com. Et en termes de témoignages, il y en a déjà qui sont avec nous. On a avec nous Robert et Laetitia. Salut Robert et Laetitia. Salut, salut. Salut. Bienvenue à vous attendez, deux. Attendez, je patch. C'est bon, vous m'entendez? Ah, l'enfoiré. C'est très drôle. Robert, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la régie, tu vois. Robert, donc, on a besoin de toi. Tu cherches un boulot, Robert, en ce moment ou pas? J'arrive, j'arrive. Robert, il a le micro et toi, voilà, Robert, il est prêt. Non, tu sais, parce que la semaine dernière, Tony, il a dit « Ah, je crois que ça vient pas de chez nous ». J'ai dit « Bah, aujourd'hui, ça viendra pas de chez moi ». T'as vu, j'ai pris la parole la semaine dernière, il y a tout qu'à déconner. Là, j'ai dit non, c'est mort. Excellent. Génial, merci Robert d'être avec nous. Merci Laetitia aussi. Vous deux, vous êtes maître et maîtresse de chien. Vous avez vu des éducateurs canins, on vous a conseillé. Alors voilà, on est là pour parler disparité et vous allez apporter votre témoignage. Robert, on commence par toi. Toi, qu'est-ce que tu as comme expérience avec les éducateurs? Qu'est-ce qu'on t'a conseillé, par exemple? Écoute, moi, en fait, j'ai cherché les conseils d'un éducateur à la base.
j'avais aucun souci. C'était plus dans l'esprit de pas faire d'erreur et justement d'avoir un chien nickel, au top, et puis pouvoir vivre ma vie avec lui partout où je vais et tout. Donc, cette personne m'a conseillé en fait d'éduquer, de dresser mon chien, on va dire, avec une canette. C'est-à-dire ? C'était plutôt, quand il va faire une bêtise, je jette la canette. Et alors, faut surtout pas qu'il me voie. Et au moment où il a fait la bêtise, il a peur, j'apparais subitement et je lui dis oh, attention, tout va bien, je le rassure, etc. Du style comme si c'était une punition divine qui tombait sur la tête du chien. Et ça moi, je suis là pour le, pour le rassurer en quelque sorte. Donc tu lui balances une canette quand il fait une connerie. Alors très bien. Pas directement dessus, mais à côté. Une canette avec des petits clous, tu vois, à l'intérieur. Ah oui, une canette avec des clous. D'accord, très bien. Voilà. En fait, c'est le bruit qui était censé faire peur au chien. D'accord. Et du coup après tu le rassures et tu lui dis bon non je suis là, t'inquiète pas, ne refais pas cette bêtise et ça n'arrivera plus en fait. D'accord. Et est-ce que ça a fonctionné? C'est la question qu'on se pose. Non, ça a plutôt détruit un peu le chien quoi. C'est-à-dire? Heureusement. Il est devenu très 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 anxieux en fait dès qu'on était à l'intérieur. Parce que j'utilisais plutôt cette technique à l'intérieur. Ouais. Qui proposait voilà, de cacher des canettes un peu partout, tu vois, tous les endroits où t'es susceptible, où le chien était susceptible de faire des bêtises. Va vivre chez Coca-Cola. Hein. Voilà, c'était un peu ça. Non mais. Et donc voilà, il appelait ça le conditionnement canette. Hein. Très bien. Donc c'était pas il n'y avait pas de conditionnement classique ni opérant dans sa formation. Bien. C'était le conditionnement canette. Très bien, très très rapidement parce que là on va pas débriefer à chaque fois les parce que là le but du jeu c'est de montrer vraiment les disparités. Très rapidement. D'accord. Bon, déjà la technique elle est pas bonne, d'accord. Ouais, ouais. Pourquoi elle est pas bonne? Parce que admettons c'est une punition divine. Ouais. C'est ça le principe. Oui, le principe c'est que ça vienne pas de toi. Super. Ça veut dire qu'à chaque fois que déjà tu seras pas chez toi, ouais. Il pense que la punition divine peut arriver, mais toi t'es pas là parce qu'il est pas con, le chien il t'a vu partir. Et oui. Ce qui fait que comme ça il va faire de l'anxiété. Eh oui. Il va avoir peur et après il va détruire peut-être et puis il va faire pipi caca. Donc c'est un contresens total, d'accord, d'une personne qui est... Alors attends, et juste pour faire un dernier petit point, et ça c'est une des grosses différences entre les éducateurs canins. Quand quelqu'un t'appelle, que tout va bien, oui. Mais il veut simplement... Éduquer son chien, finalement. Ouais, en fait, améliorer les petits trucs, mais au final, sa vie est belle. Enfin, tout se passe bien. Pourquoi tu vas tout niquer? Parce que toi, tu penses tout savoir. À un moment donné, tu arrives chez la personne, tu dis écoute, même si tu ne fais pas tout ce qu'il faut faire, globalement, ça se passe très bien. Alors, moi, je suis là pour rectifier les petites choses, ouais. Mais je ne vais pas toucher à ce qui va bien, même si j'estime que ce n'est pas comme dans le catalogue. Oui, ouais, bien sûr. Voilà le bien truc. Bien sûr, donc ça, on ne touche pas. Laetitia, toi, tu as vu 3 éducateurs. Oui. C'est ça? 4 éducateurs, oh là là, d'accord, oui. Très bien. Alors, dis-nous, est-ce qu'ils avaient tous le même discours? Parce que c'est ça le débat de ce soir. Est-ce qu'ils avaient tous le même discours ou est-ce que ça a été un peu un fourre-tout, toi, Laetitia? Ah non, c'était 4 opinions différentes. Alors, raconte-nous rapidement, alors. Ok, ben en fait, j'ai adopté un chien qui, je savais qu'il avait des troubles de comportement, il avait déjà 11 mois. Et la condition, c'était se faire accompagner par un pro, parce que je ne connaissais rien. Et en fait, les premiers, on a trouvé sur Internet, hein, avec positif marqué, je ne comprenais pas grand-chose. Et elle est arrivée, elle a passé une heure et demie avec nous, juste une discussion. Donc, on a parlé de son problème le plus grave, c'était réactivité, hein, congénère plutôt. Ouais. Et ensuite, on va au cours collectif pour travailler ça. Donc, ça se passait comment? 10 minutes de détente. Donc, moi, j'avais comme signe de m'éloigner au maximum de tous les chiens, parce que mon chien, il faisait un peu de la protection. OK. Et je courais hein, à peu près partout, et les chiens me suivaient, c'était assez comique. Et ensuite, on commençait à travailler, pas bouger, tu laisses, etc. Mais juste, je n'avais droit de rien faire. Mon chien partait dans les rouges, il fallait juste que tu laisses, chien dise balle. On va par là. Ok. Et en fait, ça a duré comme ça 4-5 cours. Ça ne s'améliorait pas, mais bon, on continuait. Jusqu'à au cours physique, où il y avait malheureusement un chien qui pendait à mon chien. Et je pense que mon chien il est parti dans le rouge 8 fois. Ok. Et il m'a tendu les mollets. Moi aussi, mais j'ai m'énervé. Je suis partie au milieu du cours. Et en fait, l'éducatrice d'après, elle est venue me dire que je ne désespère pas, que mon chien, il était comme ça aussi.
qui est sur le piéton pour que son chien accepte de marcher au même trottoir que son chien, qui est un autre chien en fait, et que peut-être faire la composture, ça améliorerait les choses. D'accord. Donc en gros, la solution, ça a été un peu, bon, et finalement, il n'est pas si mal comme ça, quoi. Pas grand-chose à faire, quoi. C'est ça. En gros, tu vas te faire encore mordre les mollets quelques fois et la composture, ça peut résoudre. Ok, d'accord. Bon, c'est deux. Et là, le but, c'était vraiment des saucisses. En gros, c'était ça, la solution. On est bien d'accord. Le but, en fait, c'est de le récompenser de son mauvais comportement. Donc, c'est bien. Ça, ouais, donc, voilà. Ça a très bien marché. Hein. Ça a très bien marché. Ça a très, très bien marché. Alors là, voilà, on a deux, vraiment, très grosses différences entre les deux. Très grosses différences, mais alors avec des incohérences et des imbécilités qui ont été demandées de faire. Mais il faut être taré, parce que entre un qui lui demande de faire apparaître des punitions divines et une autre à qui on demande de récompenser les mauvais comportement, parce qu'au final, ton chien s'énerve, tu lui montres une saucisse, mais t'es simplement en train de lui dire bravo, c'est bien mon fiston, hein. La prochaine fois on ira peut-être le bouffer, tu vois. Oui, et sûr. Le chien il monte, bien et en plus tu lui proposes rien, et pour la protection de ressources, qu'est-ce que tu lui proposes? De te barrer, et tu lui dis écoute, barre-toi parce qu'il fait de la protection. Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Et le troisième, t'as proposé de le mettre sous Prozac, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, très bien. Bon, ouais, voilà, là, je crois qu'on est plutôt clair. Là, ça, voilà, la disparité, eh ben, on en a, et vous êtes que deux. Donc t'imagines, si on fait ça fois 12 000, Gaëtan est éducateur et est avec nous, veut participer au débat. Salut Gaëtan, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Gaëtan, pourquoi, à ton avis, pourquoi, toi, de ton point de vue, il y a autant de disparités, comme vient de nous le dire Robert et Laetitia, et puis ça, on peut le démultiplier fois 10 millions. Ouais, déjà, je trouve qu'il y a trop d'organismes. De formation. Enfin, il y a un éducateur, ça fait 5 ans, il éduque. Ben, c'est bon, il peut former d'autres personnes. Ouais. Déjà, c'est un peu la merde. Donc toi, c'est un problème. Toi, tu penses que c'est surtout un problème de formation, quoi. Grosso modo, il y a trop de formations différentes, non. C'est ça? Alors déjà, ouais, il y a trop de formations différentes qui tiennent pas la route. Mais après, dans l'éducation canine, je pense pas que ça vienne que de la formation. Moi, je prends mon exemple personnel. J'ai fait une formation parce que je voulais avoir en fait un peu de base, parce que je me disais que j'y connaissais pas grand-chose. Et du coup, la formation, super, hein, c'est sympa. Mais derrière, j'ai quasiment rien utilisé parce que ça me parlait pas du tout. Et du coup, quand ça nous parle pas et qu'on essaie d'appliquer quelque chose qui nous parle pas, on remet quelque chose d'une autre personne et ça peut pas fonctionner. Et surtout si on sait pas lire un chien. Ouais, donc toi, par exemple, dans les formations que tu as faites, tu as vraiment vu des côtés différents, quoi. Des trucs qui n'ont pas rien de sens. Impossible d'appliquer ce qu'on voit dans les formations en cas réel. Il faut vraiment, je pense, pratiquer. Hein. Ouais, bien sûr. Merci en tout cas à Laetitia qui était avec nous. Est-ce que tu penses, on va accueillir une autre éducatrice, reste avec nous Gaëtan et Robert aussi. Tu penses qu'il y a un problème de formation déjà de base? Non mais attends, moi je pense qu'il y a déjà un problème de débilité. Parce que là, parce que là les deux cas qu'on a eu là, d'accord, Laetitia et Robert, c'est par exemple, c'est du bon sens. C'est-à-dire, il n'y a rien de technique. Enfin, moi, j'ai l'impression que là, c'est très simple. Quand tu ne peux pas arriver chez quelqu'un en disant, écoute, on va lui faire croire que c'est dangereux là où il vit. Ouais. Oui, en lui balançant une canette avec des écrous. Mais il faut être complètement con, tu vois, pour dire ça. Ouais. Mais ça s'appelle le bon. Alors, attention, hein, les propriétaires de chiens, eux, ils y sont pour rien. Ah ben non, Robert, il a suivi. Ils ont un procari. Mais quand tu prends un petit peu de recul et que tu dis, mais tu te rends compte que là tu es en train de piéger la maison pour lui dire, écoute, tu seras jamais en sécurité si je suis pas là. Mais ça veut dire que tu vas niquer ta vie, tu vois. Si t'as un chien, parce que ça va, peut-être que Robert, il a un chien qui est un petit peu compliqué maintenant, mais ça va. Mais moi, j'en ai déjà vu. Les chiens, ils ont vrillé complètement. Ça, c'est du bon sens. Donc ça, c'est la première chose, c'est la débilité. D'accord? Et là, il faut régler, je pense qu'il y a 70% des éducs qu'il faut les dégager. Ensuite, sur les formations, il faut quand même imposer au centre de formation de proposer des chiens de tout type. Chiens difficiles, chiens d'éducation, avec un nombre d'heures minimum. Il faut avoir des chiens. Quoi. Non mais évidemment, combien de gens viennent chez nous en formation et ont déjà fait des formations avant et n'ont jamais vu la putain de couleur d'un clébard? Et ensuite, les formateurs, je suis désolé, d'accord, je sais que c'est fatigant, mais on doit
répondre à toutes les questions ou les interrogations de nos élèves, même quand c'est des cas personnels de nos élèves, même quand ça nous fait chier parce que ça ne concerne pas le chien qu'on vient de voir, mais ils sont là pour poser toutes leurs questions et on est là pour faire le travail pédagogique de leur expliquer et ensuite de leur montrer avec des vrais cas. Voilà la base. Et je pense que déjà, si tu fais ça, tu fais fermer 98% de tous les centres de formation. Toi, Gaëtan, dans les formations que tu as fait des stages, des formations physiques, Gaëtan. Oui, est-ce qu'il y avait des chiens, tu en as fait, ou il n'y avait pas de chiens, par exemple? Alors, il y avait des chiens de clients, mais l'idée, en fait, c'était proposer à d'anciens clients ou de nouveaux de venir pour un cours gratuit. Mais le problème, c'est que... Moi, je parle juste de la formation que j'ai passée. Oui, bien sûr. Pareil, hein. Je ne pouvais rien utiliser dans le quotidien. C'était un truc avec des carrés. On travaille la marche en laisse, on travaille ci, on travaille ça. Mais pour moi, c'est la psychologie. C'est déjà quel caractère a le chien, quel caractère a l'humain, comment on met l'ambiance. Ouais. Enfin, tu veux dire, c'était un peu trop schématisé, scolaire, c'est ça? Oui, une technique, un parce truc. Parce qu'il parle pas chien. Ouais. Parce qu'il parle mais pas. Oui, c'est ça. Parce qu'il parle pas chien. Mais ça, c'est la c'est vraie. Ça, le problème. Ça, c'est le vrai problème de ce métier. Hmm. Et c'est oui, pour ça qu'aujourd'hui. Métier, hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Moi, je suis persuadé que si on veut s'en sortir, si on veut moins d'abandon, si on veut des chiens un peu plus stables, notre travail maintenant est d'essayer de faire en sorte que le grand public deviennent, entre guillemets, l'éducateur canin, non pas de tous les chiens, mais au moins du leur. Ouais. Parce que, moi je te le dis franchement, c'est galère. Ça me désespère d'entendre des choses comme ça, ça me désespère. Robert, toi, après l'expérience que tu as eue, tu as vu d'autres éducateurs canins ou toi tu as un problème du coup de confiance peut-être? Déjà, moi j'ai rapidement ensuite cherché sur internet, je suis tombé sur votre chaîne. Donc. Donc j'ai essayé de résoudre un peu et en écoutant tout ce que vous dites, toutes vos vidéos et tout, ça s'atténue petit à petit. J'avais déjà posé la question sur un ancien live parce qu'en fait moi on me l'a notamment fait faire sur du refus d'appât et donc je balançais la canette et en fait traumatisé au moment de manger notamment et de boire sur sa gamelle. Ok. D'accord. Donc j'avais posé la question, Tony m'avait dit bon bah voilà tu te mets avec le chien etc, tu le rassures au moment, quitte à lui donner à manger etc. Ouais. Ça va un petit peu mieux par rapport à récemment, il y a quelques temps. Après, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que comme on est sur des êtres vivants, chaque chien va être différent. Donc, on ne peut pas vraiment appliquer un schéma et le dire, apprendre quelque chose et je pense le poser après sur tous les chiens. Absolument. C'est pas comme, on est sur derrière une console de son, on va pousser un fader, plus 6 dB, on a doublé la tension électrique et c'est pareil tout le temps. Mmh. Là, c'est sur un chien, une canette, peut-être que sur un, ça va marcher, peut-être que sur l'autre, ça va le traumatiser, peut-être que l'autre, ça va le rendre agressif. Mais non, cette technique-là, Robert, permets-moi de te couper. Telle qu'elle a été appliquée, hein. Parce que tu peux tout à fait appliquer la technique de la canette. En gros, la plupart du temps, les éducateurs qui veulent la mettre en place, la mettent en place pour renforcer le non. En gros, ton interdit ne fonctionne pas et l'éducateur va dire, pour donner un peu plus de valeur à ton interdit, là, à ton non, tu vas faire un bruit. Et souvent, ils utilisent la canette, d'accord? C'est une bêtise, mais au-delà de ça, on s'en fout de ça. Maintenant, la vérité, c'est que là, tu peux pas t'y prendre comme ça, mais il a raison. Tous les chiens sont différents. Bien sûr. C'est pour ça que pour moi, il faut créer l'éducateur canin de leur chien sur les propriétaires de chiens. Ouais, ouais. Ça, c'est la chose. Et ensuite, Robert, juste pour toi, un truc que tu peux essayer, c'est un truc un petit peu tordu, d'accord? Tu prends une canette, tu lui mets ses croquettes de la journée à l'intérieur, d'accord? Et quand tu lui prépares sa gamelle, tu vides la canette devant lui avec les croquettes qui tombent. Tu poses la canette à côté, va manger mon titi. En fait, les croquettes sortent de la canette. Et en fait, essaye d'inverser le processus en disant finalement maintenant la croquette, la canette devient la canette amie, la canette qui te donne à manger. Robert, et on va voir si ça peut mieux se passer comme ça. Robert, est-ce que toi aujourd'hui, tu aurais peur d'appeler un éducateur canin par rapport à tout ce qu'on voit et cette disparité justement? Ouais. J'ai essayé en fait, j'en ai contacté d'autres. Ouais. Alors pas spécialement pour cette chose-là, mais voilà, j'avais 2-3 petits trucs encore à affiner. Et malheureusement, en fait, ça n'a jamais été plus loin qu'un échange, de messages, parce que d'emblée, j'ai eu envie de fuir, quoi. Ok, ouais. Donc il y a un vrai problème de confiance. Et je comprends tous ces gens qui... Et je vais demander à Laetitia, qui est éducatrice aussi. Bienvenue Laetitia, merci d'être avec nous pour ce débat. Salut, comment ça va? Allô, ça va bien vous? Eh ben ça va bien, merci. Laetitia, toi t'es au Canada? Oui, je suis à Montréal, je vous écoute de Montréal, avec le petit décalage horaire. Moi c'est en pleine journée, donc... Quelle heure il est là chez cool, toi? Mais...
Là, il est 3h. 3h, 15h. Bah, c'est la première fois qu'on est en avance, putain. C'est incroyable. Laetitia, qu'est-ce qu'on peut répondre à Robert et à tous ces gens et Gaëtan reste avec nous aussi, hein, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à tous ces gens qui n'ont plus confiance, là, tu vois, qui se disent, bah ouais, mais les gars, vous êtes trop différents tous. J'ai plus confiance, moi. Mais oui, mais je comprends, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Je pense que premièrement, comme le disait Robert, de toute façon, il n'y a pas une méthode universelle. Il y a, comme on dit, on travaille avec des êtres vivants, donc il y a autant de méthodes que de chiens, quasiment. Mmh. Puis je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, en fait. Déjà, ce n'est pas un métier qui est régi, donc il n'y a pas un ordre, il n'y a personne qui va te demander ton CV ou quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose aussi. Tout le monde peut un peu s'auto-proclamer éducateur. Donc malheureusement, il y a un peu la porte ouverte à n'importe qui. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il y a aussi beaucoup l'ignorance, en fait, tout simplement. Je pense que ça, c'est ce qu'on retrouve le plus, la fermeture des esprits, puis l'ignorance de on est avec une méthode et on est fermé à autre chose. Et le manque d'ouverture, quoi. Complètement. Puis moi, par exemple, Tony va être content d'entendre ça, mais j'ai suivi une formation ultra positive. Donc, je suis partie dans une école ultra positive de base. Chez moi je ne connaissais pas du tout. J'ai voulu faire une reconversion professionnelle parce que je faisais quelque chose complètement différent. Puis, je suis partie à une école qui m'a coûté très cher, qui était sur 3 mois. Nous, par exemple, on travaillait avec des chiens de chenille. Donc, on leur donnait une deuxième chance pour se faire adopter. Donc, sur papier, tout était super. Ça représente combien d'heures, en 3 mois, juste qu'on se rende compte à peu près? Mais en fait, on faisait du 8h, 17h et on a fait 280 heures avec les chiens, en pratique. Ah, donc là, là, on parlait tout à l'heure de formation où il n'y avait pas de chiens. Là, on peut se dire que dans ta formation, il y avait des chiens au moins. Oui, des chiens, vraiment, on avait un chenil qui était derrière, puis c'était que des chiens qui étaient voués à être euthanasiés, parce que c'est des cas difficiles. Puis on travaillait directement l'après-midi avec ces chiens-là. Mais la réalité est qu'en ultra positif, je n'ai rien vu, je n'ai pas vraiment vu d'amélioration du premier cours jusqu'au dernier cours. Puis c'est ça, c'était des distributions, on était un distributeur à saucisses. La réalité, c'est ça, on distribuait des saucisses à tout va. Puis, puis moi, c'est ça, quand je parle d'ignorance et de manque d'ouverture d'esprit, parce que parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre... Il y a la méthode ultra-positive, il y a la méthode coercitive, mais entre ça, il y a un range, il y a beaucoup de choses. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, c'est soit l'un, soit l'autre. Puis c'est pour ça que je parle d'ignorance. Donc nous, par exemple, la formation, j'étais d'ultra-positif, on nous disait qu'il ne faut surtout pas de collier à pic, etc. Certes, évidemment, mais moi, j'aimerais connaître c'est quoi les autres méthodes et surtout connaître pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce collier-là, explique-moi pourquoi, parce que si je tombe avec un maître qui a ce collier, il faut que je puisse lui expliquer pourquoi ou comment s'en servir s'il n'en démarre pas. Puis, c'est extrêmement fermé, donc c'est ça en fait que je trouve dangereux, c'est on ne veut pas admettre qu'il y a d'autres méthodes, on reste sur notre chose parce qu'il y a la bien-pensée collective, puis ça fait peur de dire qu'on veut d'autres méthodes. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, et ça, c'est des problèmes, effectivement, qui ensuite créent des disparités, et c'est le problème de ne pas expliquer. Juste avant, et ensuite, je te laisse réagir, il y a Axel qui est avec nous et qui va venir mettre un point d'orgue sur tout ça. Axel, bienvenue à toi. Bienvenue, bonjour. Salut, bienvenue Axel. Axel, toi, tu as vu 5 éducateurs. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que, très rapidement, tu peux nous dire un peu dans quel style, puisqu'on peut parler de style maintenant, étaient les éducateurs et ce qui a fonctionné ou pas d'ailleurs? Alors moi, j'étais sur un coercitif, juste évaluation. Au bout de 5 minutes, un petit tour de... a sorti un collier. Elle l'a mis Le collier. Attends, donc, Axel, on va te rappeler, Axel, parce qu'on t'entend pas bien. Ah non, ça suffit, hein, ça recommence pas, hein, ces histoires. Attends, Axel, on te rappelle. Pour rebondir sur Laetitia, toi, tu as été formé en ultra positif. Juste avant, j'aimerais juste que pour les gens, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que je sais ce que tu vas dire. Voilà, mais alors, attendez, explique-nous. Déjà, positif, quoi. Déjà, il faut faire la différence entre les méthodes positives, par exemple,
et l'éducation positive. Et pour moi, c'est pas la même chose. D'accord. Alors, je leur reconnais beaucoup de talent en marketing parce qu'ils vous ont tous enfumé. Donc, félicitations à eux. Sincèrement, c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire, d'accord ? Maintenant, pour moi, quelqu'un qui travaille en ultra positif, c'est quelqu'un qui redonne le sourire au chien, le sourire à son maître et qui le laisse partir à la maison pour une vie meilleure. Quelqu'un qui ne fait pas ça, d'accord ? Quelle que soit sa solution ou sa méthode, n'est pas en positif. Oui, bien sûr. Mais qu'on soit bien clair là-dessus. Bien sûr. Ensuite, il n'existe pas deux mondes. Le monde des coercitifs, d'accord ? L'éducation traditionnelle coercitive. La vérité, c'est qu'elle n'existe pas. Ces gens-là sont des sauvages barbares, mais ils n'auraient jamais dû arriver sur la planète. Et les ultra-positifs, ceux qui sont complètement dans leur monde, dans leurs espèces de délire intellectuel, eh bien, eux non plus, normalement, ne devraient pas exister. Et on ne devrait pas être là à parler de positif ou de négatif ou de machin. On devrait être en train de parler entre professionnels, éducateurs canins, passionnés du chien. Et ça s'arrête là, en fait. Bien sûr. Et tout ça, c'est fait pour tromper les gens. Mais moi, je comprends. Et Laetitia, tu vas pas me dire le contraire. Gaëtan non plus. Putain, moi, je comprends les gens. Tu vois marqué ultra positif, positif. Et attends, permets-moi juste un truc. Je te coupe juste un truc, d'accord ? Elle dit collier à pic. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'explique ce que c'est, pourquoi il faut pas s'en servir, pourquoi, comment ça a été créé, et à juste titre, parce qu'elle dit si j'ai un client un jour qui me demande... Écoute-moi bien, voilà. Elle a mille fois raison. Elle a mille fois raison. Et moi, je vais te dire un truc, hein, et je vais vous le dire pour tous les deux. Quand vous venez à la maison, d'accord ? Vous allez avoir un collier anti-aboiement, un collier électrique, un collier à pic, un collier étrangleur, un collier machin, un lasso. Chez nous, il y a tout. Et je passe tout en revue. Et je vous dis, voilà son histoire. Voilà ce que disent les uns, voilà ce que disent les autres, voilà les conséquences sur le chien. Et maintenant, réfléchissons ensemble. Et moi, ce que je veux à chaque fois de mes élèves, c'est qu'ils me disent « je ne suis pas d'accord ». Et comme ça, on réfléchit. Et la plupart du temps, si je m'ennuie, je vous le dis, je vous mens. Comme ça, je mens à mes élèves pour qu'ils me disent « oui, c'est ça ». Et après, je leur mets une cartouche où ils s'en rappellent pendant 15 jours. Parce que justement, ils sont cons comme des balais et ils écoutent comme ça, comme des ahuris, et ils captent rien. Mais c'est ça le fondement même. Mais pour faire ça, il faut être passionné, il faut kiffer ce que tu fais et il faut comprendre que la base de tout, c'est rentrer dans le putain de crâne du chien qui est en face de toi. Et encore plus fort que ça, c'est que le chien en face accepte de te donner les clés de sa maison pour que tu puisses rentrer dans sa tête. Et quand tu y arrives, alors tu es très content, très fier. Et là, après, tu peux déplier des exercices. C'est pas un problème. La technique, ça s'apprend. Paniquez pas, ça s'apprend. Il y en a une volée, c'est infini. Mais par contre, être capable de rentrer dans la tête d'un chien, eh bien ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça demande des petites choses. Ça demande d'ouvrir tes sens. Ça demande d'être quelqu'un de différent. Et moi, je pense qu'il y a trop d'éducateurs canins parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Certains peuvent le faire et malheureusement, ils sont détruits par un système de merde entre les opposés, les gentils et les méchants. Mais la vérité, c'est que la poignée de très bons éducateurs canins, et ils le sont peut-être, eh bien, ne peuvent jamais ni s'exprimer, ni expliquer aux gens, ni apprendre des choses. Et les formations qu'ils sont en train de faire les brisent au final de l'intérieur. Et c'est ça qui me casse les couilles. Gaëtan, et les gens captent pas ça. Gaëtan, tu voulais réagir, je te voyais en train de réagir. Alors j'acquiesce complètement ce que tu dis, et après si je dois donner ma pensée, on pourra former autant qu'on veut, tout ce qu'on veut, avec les meilleures formations, tout ça, ça restera toujours de l'intuitif, comme dans énormément de métiers. Si t'es pas intuitif, si tu ne peux pas rentrer dans la tête du chien, mais après aussi dans les habitudes des humains, t'es foutu, t'es foutu. Et après, bien sûr que tous les outils sont utiles. Maintenant, faut voir à quel caractère, sur quelle problématique. Bien sûr. Combien de fois tu le mets ? Parce que c'est comme pour tout. Un colis électrique ou des trucs qui sont quand même qui peuvent faire mal, normalement tu t'en sers très très peu. Parce que si tu t'en sers trop, c'est que tu es en train juste de foirer le chien et que tu n'as pas compris ce qu'il est en train de penser. Sur la formation que tu as fait, d'accord ? Vous étiez combien d'élèves ? On était 10. Très bien. Sur les 10, combien ont eu leur diplôme ? Tous. Très bien. Alors attends, regarde, on s'arrête là. Et là, je le dis pour tout le monde, d'accord ? Et surtout, comme ça, ça permet à tout le monde de ne pas être triste s'ils viennent à la maison. Ah oui, cool. Sur toutes nos formations, d'accord ? Notre travail, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens qu'on a en face de nous, et c'est très dur, parce que ce n'est pas le beau rôle, arrivent à se dire « je ne suis pas fait pour ce métier ». Voilà mon travail. Mon travail, c'est que les gens que j'ai en face me disent à un moment donné d'eux-mêmes « écoute, j'ai capté ».
je ne suis pas fait pour ce métier. Voilà mon travail. Et à chaque formation, quand il y en a un ou deux maximum qui repart avec l'autorisation de travailler, c'est-à-dire le diplôme qui dit « je pense que tu peux commencer », c'est le maximum. Oui, c'est et ce n'est pas le plus bon moment. Bien mais sûr. C'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Alors ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'est comme ça qu'on avance. Oui, Laetitia. Moi, je pense qu'il y a deux challenges aussi dans notre job. C'est évidemment la première de comprendre le chien et d'arriver à trouver la bonne solution adaptée. Mais le deuxième, et qui n'est pas des moindres, parce qu'on a beau trouver ça, si on n'a pas trouvé la bonne solution adaptée au maître, ben, on n'y arrivera pas. Bien sûr, le maître n'a pas réussi non seulement à le convaincre et à lui faire comprendre que ce n'est pas un tour de baguette magique, qu'il y a du travail à faire, que c'est quelque chose de quotidien, le chien ne résoudra pas son problème. Donc, et je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui vont vers des éducateurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils entendent des choses qui leur font plaisir, où ça va être facile, puis ça va être « je m'en lave les mains, ça va être rapide ». Parce que c'est ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'ils vont payer rapidement et puis que ça va être une affaire. Et puis, ce n'est pas la bonne chose. Donc, je pense qu'il y a un double jeu. Il y a deux langages vraiment à avoir, le côté humain et chien, évidemment. On va écouter Axel qui est revenu avec nous. Gaëtan, merci. On t'embrasse, Gaëtan. Tu reviens ici quand tu veux. On va accueillir Angélique avec aussi, plaisir. Qui est éducatrice. Pour l'instant, Axel qui est avec nous. Axel qui, lui, a vu donc 5 éducateurs. Salut, Axel. Bienvenue. Rebienvenue. Excuse-nous, on ne t'entendait pas tout à l'heure. Bienvenue. Ouais. Alors, vous m'entendez bien là ? Comment ça s'est passé, toi ? Ouais, donc premier éducateur après l'école du chiot, hein, bon ça on n'en parle pas. Donc ultra coercitif, on a fait 5 minutes de balade dans le quartier. Et puis après elle m'a dit ben, je vais prendre le chien, voir comment il réagit machin. Donc elle m'a sorti le collier étrangleur. Elle l'a mis sur le chien et je ne sais pas comment elle l'a accroché, mais en gros il serrait mais il ne desserrait pas. Donc elle me l'a pendu au bout, alors le chiot il avait 7 mois pour rappel. Hein. Il avait des problèmes ? Il avait 7 mois. Oui, il avait des petits soucis, ouais. Okay. On commençait à justement avoir des problèmes, c'était pas hyper ancré, mais on n'arrivait pas à les résoudre nous-mêmes. D'agressivité ? Donc, on a voulu... Ouais, c'est pas vraiment de l'agressivité. De réactivité. De réactivité, mais c'est de la peur. Mais... D'accord. C'est pas vraiment, c'est pas méchant, mais c'est impressionnant, quoi. Puis surtout, c'est un rot, donc. D'accord. Ça fait vite d'impression. Ok. Donc. Ça, c'est la elle première. Elle a mis le collier, et puis, bah, elle l'a pendu au bout du collier. Il tirait, il essayait de fuir, et. Enfin, bon, au bout de 5 minutes, de 10 minutes, j'ai dit, c'est bon, on arrête là, c'est pas ça que je veux. Donc voilà, la première. La deuxième, c'était une qui se disait plutôt positif. Sans vraiment l'être plus que ça. Donc là, on a été au centre, on est arrivé là-bas, elle a sorti les saucisses direct, elle l'a bombardé de saucisses. Donc ça, on a travaillé un peu de marche en laisse, deux, trois conneries, mais pas du tout la réactivité. Puis on n'est jamais sorti du centre, on est allé sur le dernier cours, sur le trottoir devant le centre. Autant dire qu'on n'a pas beaucoup progressé. Ouais. Parce que bah, c'était tout le temps dans le truc, milieu stérile, pas de chien. Elle a sorti un chien une fois, elle l'a mis derrière un grillage à 100 mètres au bout du parking. Et puis bah, à 60 mètres, il commençait déjà à lui gueuler dessus, donc on ne pouvait même pas s'approcher. Okay. Donc il n'a jamais vu de chien. Ouais. Troisième éducatrice, on a été pour faire une heure d'évaluation. Finalement, c'était un cours, l'heure d'évaluation, et puis c'était payant. Premier cours, elle nous a sorti un harnais qui serre à la poitrine avec les anneaux qui compriment là. Donc là, il y avait des chiens d'un côté, de l'autre côté d'un grillage, et puis on faisait des allers-retours devant, on faisait le tour, machin, mais c'était coup de laisse, coup de collier, non, coup de sonnette, je sais plus comment ils appellent ça. Là. Ouais. Enfin, c'était pas aussi coercitif que la première, mais c'était quand même vachement dans le même tempo. Okay. Donc là, on a dit on donnera pas suite. Donc, on n'a pas désespéré, on a contacté un quatrième éducateur. Donc, lui, il avait 1 an d'expérience. Il se dit ni positif ni quoi que ce soit. Il est venu à la maison, lui, c'est le seul qui est venu à la maison. Donc, il a vu le chien, on a expliqué pendant 2 heures, même un peu plus, toutes les problématiques qu'on rencontrait. Ouais. Parce que forcément, il se passe quelques mois entre tout ça, donc ça ne s'arrange pas. Ouais. Donc lui c'est vraiment un passionné, il a vraiment essayé de comprendre les trucs et tout, mais je pense qu'il manque d'expérience et technique pour vraiment bien lire le chien et comprendre ce qui se passe. Okay.
Donc on a fait pas mal de séances, plus que ce qu'on avait dans le forfait. Il a vraiment été, enfin il n'est pas là pour nous prendre de l'argent, tu vois, c'est vraiment un passionné, il se remet en question, il essaye des choses. Ouais mais il essaye, le problème c'est est-ce que ça a résolu le truc? Ben non, on a une très légère progression, mais vraiment je pense qu'il manque beaucoup de choses. Ok. Et du coup il a contacté sa formatrice sa formatrice à lui, la personne qui l'a formé en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et cette formatrice-là, parce que comment on appelle ça? Un groupe en éducateur? Ouais. Enfin oui, c'est ça, c'est une, comme un collectif, une chaîne en fait, si tu veux. C'est une chaîne, donc okay. Ils ont plein d'éducateurs Ah oui, d'accord. Certifiés de leur truc, si tu veux. D'accord. Donc là, on a vu la formatrice régionale qui est un peu plus calée, entre guillemets. Donc c'est la cinquième qu'on a vue. On a fait trois séances avec elle, je crois, quatre séances. Ouais. Et bah elle, c'est pareil, elle nous a donné 2-3 conseils qui étaient un peu peu pertinents, mais au final, on règle pas grand-chose. Au final, 5 éducateurs et les problèmes sont toujours là. Qu'est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qu'on répond à Axel, Laetitia, quand t'as des clients comme ça? Moi, je comprends que les gens fassent plus confiance après. Je comprends. Et comment on peut réussir à leur redonner confiance aux éducateurs, Laetitia? Ben dans le fond, déjà, c'est expliquer pourquoi, c'est de comprendre par quoi ils sont passés, les méthodes qui ont été essayées, expliquer déjà, première chose, d'expliquer les choses, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi que c'était une mauvaise technique, parce qu'il peut y avoir des bonnes méthodes qui ne sont juste pas bien appliquées et qui deviennent des extrêmement des mauvaises méthodes. Déjà, prendre le temps d'expliquer, d'écouter beaucoup aussi les personnes, parce que si on arrive et qu'on se dit on a une méthode en tête et puis on ne s'adapte pas, on revient de chaud, s'adapter, être à l'écoute du chien, des gens qu'on a en face et essayer d'expliquer pourquoi c'était des mauvaises et puis essayer de leur apporter en tout cas le mieux qu'on peut. Mais malheureusement, on paye les frais de... Mais encore, ils ont eu cette présence d'esprit de se rendre compte dès le début, de dire « Ok, ça ne marche pas, ça ne fait aucun sens », parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde. Et de partir dès qu'au bout de 10 minutes, de se dire « c'est complètement con, je vais pas continuer », malheureusement, il n'y a pas tout le monde, il y en a qui continuent. Bien sûr. Et ce qui est intéressant avec Axel, c'est qu'ils ont eu vraiment tous les bords. Là, pour le coup, on fait les grands écarts. Quoi, hein. On fait les grands écarts. Angélique, bienvenue, tu es éducatrice, toi, Angélique, bienvenue. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir, oui, merci d'être avec nous, Angélique. Qu'est-ce que tu entends le débat depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Eh ben tous ces gens là qui nous regardent, voilà, et qui se disent, bah putain les gars, mettez-vous d'accord à un moment. Vous faites tous le même métier. T'imagines si les dentistes ils feraient ça? Tu vois, il y en a un qui dirait non mais moi je te l'arrache à coup de pompe ta dent, et l'autre il dit non mais attends, moi je vais souffler dessus et je vais essayer de te l'arracher. Tu vois, Angélique, qu'est-ce qu'on peut dire à tout ça? Il y a beaucoup de choses à dire, hein. C'est affreux, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, de toute façon. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont vu 2-3 éducateurs canins. Le problème en soi, je pense qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'est un chien, le lire, le comprendre. Il faut prendre en compte les prédispositions, d'où il vient. Mais d'où vient ce problème, Angélique? D'où vient ce problème que sur 10 éducateurs canins, il y en a 10 qui disent 10 choses différentes, quoi? Bah, c'est qu'on ne connaît pas le chien, en fait. Malheureusement, ça fait des siècles et des siècles qu'on vit avec lui. Hein. Trop de contention aussi, parce que moi, je vois beaucoup d'éducateurs canins, la priorité, c'est de mettre une laisse. Ouais. Moi, je ne prends pas de laisse en priorité. Déjà, je laisse, c'est en longe. Je fais des évaluations, je vois déjà, je vais chez les gens. J'évalue le chien, je discute avec eux, je l'évalue à la maison et en extérieur. Mais est-ce qu'il y a un problème de formation? Toi, t'as fait plusieurs formations, Angélique? Moi, j'ai fait plusieurs formations. Alors, ça va être de la théorie. Après, j'ai fait beaucoup de stages dans différents endroits, que ça soit en refuge, que ça soit en élevage, que ça soit chez les éducateurs canins. Les premières, ça n'existe pas, hein, il y a 20 ans, éducateurs canins. Hein, le problème, c'est ça. C'était des maîtres chiens, hein. J'étais à une MFR. D'accord. Voilà. Et après, je suis passée avec quelqu'un qui était positive. Et je me suis dit, oulala, il y a un gros, gros problème. Pourquoi? J'ai discuté. Parce que, en fait, c'est contraste, en fait. Complètement contraste. C'est ni queue ni tête. Et le chien, il est où dans cette histoire-là? Parce que je pense que le mot méthode, ça reste un truc à la mode. Et la mode, ça se démode. Le truc le plus important,
c'est le chien, mais pas que le chien, parce qu'il y a aussi des gens au bout de la laisse. Et on est responsable. Et du coup, si on n'est pas capable, il faut bien dire aux gens, bah voilà, je ne suis pas capable. Moi, ça m'arrivait, par exemple, je ne suis pas à l'aise avec des molosses. Hein. Mmh. Je préfère dire aux gens et vous renvoyer chez quelqu'un d'autre qui est très très à l'aise avec eux. Moi, je suis plus à l'aise avec le berger, je m'adapte à tout, je fais les évaluations avec tout le monde. Si je ne me sens pas capable de faire le chien, je préfère renvoyer un collègue. Ok. Okay. Mais, je pense que c'est ce que devraient faire tous les éducateurs canins qui se sentent dépassés. Encore faut-il se sentir dépassé. Merci Angélique pour ton intervention et ton témoignage. Merci Axel aussi et bon courage à toi pour espérer trouver un 18e éducateur canin. C'est terrible. Angélique, reste, Laetitia, reste avec nous. Qu'est-ce que tu vois, voilà, et on va clore ce débat. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça et surtout cet amalgame qui est quand même fait avec ce qu'on appelle l'éducation positive. Moi, je comprends que les gens soient un peu perdus parce qu'on dit bah c'est positif. Mais alors, le fait est qu'on a l'impression qu'on fait les deux écarts et où est le centre en fait où sont les gens au centre? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Il n'y a pas de centre. Les amis, tous ceux qui vont écouter, il faut bien comprendre quelque chose. Putain, ça n'existe pas. Il n'y a pas de centre parce qu'il n'y a pas d'extrême. Il ne doit pas en exister. Ouais. Ce n'est pas un métier d'être positif ou négatif. Ouais. Putain, mais il faut le comprendre ça. Mmh. Alors s'il vous plaît, écoutez qui vous voulez. Allez là où vous voulez. Ce n'est pas grave ça. Du moment que vous réfléchissez et que vous vous dites, est-ce que cette personne, elle me semble cohérente ou pas? Ça, c'est la première des choses. Mmh. Et ensuite, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Ce n'est pas un métier d'être extrême. Ouais. D'accord? Donc, à chaque fois que quelqu'un va vous parler de positif, d'accord, en disant « moi, je suis positif, moi, je suis le chef positif mmh. », et un autre, il est coercitif, et un autre, il est traditionnel, tous ceux qui vous parlent comme ça, tous, hein, parce qu'ils sont dans le même bateau, barrez-vous, allez chez quelqu'un d'autre. Mais parce que ça n'a pas de sens de parler comme ça. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un espèce de nuage de fumée, d'accord, où comme ça, plus personne n'y comprend rien de rien. Mmh. Et au moins, alors, et un, il est gentil, et l'autre, il est méchant, et l'autre, il est machin. Et on a utilisé un mot. Et elle avait raison. Elle a dit le mot méthode. Mmh. Mais moi, je pense que le mot méthode, c'est pas un mot à la mode. C'est un mot que l'humain a utilisé. Parce que comme ça, ça le rassure, l'humain. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, si on a le petit manuel, tu sais que tu fais déplier, tu dis « bon, bah alors là, je vais faire l'exercice 3, 4, 5, tu vois ?» Ça te rassure, parce que ça t'évite de réfléchir, ça t'évite de devoir réagir en fonction de ce que tu vois et donc d'improviser la plupart du temps. Mmh. Moi, je ne sais jamais ce que je vais faire avec un chien. Mmh. Jamais. Mmh. Les élèves peuvent le dire. Rome, tu peux le dire. Oui, bien sûr. Des fois, le matin, les chiens arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je n'en sais rien. Mmh. Laisse-moi le voir quand il descend de la voiture. Parce que tu le laisses descendre et là tu dis « oh, tu m'as l'air bien fatigué mon pépère aujourd'hui, t'es pas de taille ». Et là, tu vas t'adapter et selon la problématique, on va travailler. Et ensuite, on doit avoir un catalogue de techniques et d'exercices qui permet de s'adapter ensuite, une fois que tu as réussi à lire le chien. Mmh. Mais s'il vous plaît, n'allez plus chez les fous d'un côté comme de l'autre, allez que chez des gens normaux avec un cerveau. Ne croyez plus rien, tous ceux qui vous disent on éduque qu'en positif, on éduque qu'en étant gentil, la violence n'existe pas. Mais bien sûr qu'elle n'existe pas, la violence, parce que quelqu'un qui fout un coup de pied dans le cul ou qui met un coup de fusil sur le chien, mais c'est pas un éducateur, c'est quelqu'un qui doit disparaître. Ne vous laissez pas avoir par ça, ne vous laissez pas. Et pareil, quelqu'un qui donne des saucisses, c'est pas un mauvais éducateur, ouais. C'est juste un éducateur qui estime qu'à ce moment-là, renforcer un comportement ou une attitude est judicieux. Et si jamais il le fait pas dans le bon timing, ça devient un mauvais éducateur armé d'un très bon outil, la saucisse par exemple. Ça s'arrête là en fait, c'est tout. Réfléchissez, il n'y a que vous qui allez réussir à vous en sortir. Je pense que la vague est tellement grande de professionnels dans tous les sens, hein, qui ne sont pas bons ou pas aptes à réfléchir, que malheureusement la poignée de bons professionnels, la poignée même de gens, même s'ils ne sont pas bons, au moins de gens qui ont 3 neurones, elle n'est peut-être pas suffisante et on va avoir besoin que les propriétaires de chiens eh bien, se prennent aussi par la main et soient maintenant capables de dire « Non, je veux savoir pourquoi tu me demandes de faire ça. Je veux savoir pourquoi tu fais ça avec mon chien. Vous devez être exigeant avec nous. Vous devez vous poser les questions. Vous devez réclamer des résultats. Et nous, évidemment, on doit aussi vous réclamer
de travailler et de faire ce qu'on vous demande. C'est dans les deux sens. Laetitia, ça s'arrête là. Je te vois acquiescer. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision globale? Et ça sera le mot de la fin pour toi, Laetitia. 100%, 100%. De toute façon, tous les extrêmes sont mauvais. Et encore une fois, c'est juste l'image d'une ignorance complète et d'une facilité, en fait, de se dire j'emploie une méthode au lieu de se dire je vais essayer de m'adapter, essayer de lire et faire ma job. Donc, 100%. D'accord. Mais est-ce que tu es d'accord aussi que des fois, de dire, en gros, là, quand on a un discours, on dit moi, tous ceux qui se disent en positif, je ne suis pas d'accord avec eux. Tous ceux qui... Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu parais pour quelqu'un de méchant. Et quand tu dis tous ceux qui sont un peu durs, tout ça, je suis contre ces gens-là. Et du coup, tu passes pour quelqu'un qui est bisounours et qui n'a pas de machin. Exactement. Ouais, ça, c'est un gros point. Puis, en tout cas, ici à Montréal, c'est très fort aussi. Quand je parlais de bien penser vraiment social et sociétal, il y a vraiment ça. Moi, je le vois avec des clients qui ont honte. On dirait qu'ils ont honte quasiment de dire et peur de dire... Oui, le positif, ultra positif n'a pas marché, mais ils veulent pas. Parce que avec tout ce qu'on voit aussi, ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, on a accès à tout, ce qui est du bon et du mauvais. Puis on a accès, on voit les pires images et dans tous les cas. Donc là, on voit la grosse violence, puis on voit ceux qui donnent des saucisses. Puis on se dit, il n'y a que ça. Alors si je ne fais pas donner des saucisses à tout va, je suis horrible. Sauf que non, et ça, c'est un gros problème aussi, parce que il y a comme cette espèce-là de mafia qui rentre en scène et qui est épeurante, en fait. Et je comprends que les gens, du coup, soient un petit peu... disaient, c'est soit blanc, soit noir, de quel côté je suis, des gentils ou des mauvais. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'on doit le voir. On a l'impression qu'il y a les gentils et les méchants. Merci Laetitia d'avoir participé à ce débat du Canada. On t'embrasse. Salut Laetitia, à bientôt. Pour finir, je te laisse un mot juste en deux minutes parce que je veux bien être sûr que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai que t'es perdu, t'entends positif, pas forcément les autres. Si t'es contre les positifs, c'est les méchants. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, avec ce discours-là, tu es contre les positifs, tu es contre le fait d'éduquer un chien positivement? Mais c'est quoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es pas positif? Non, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut dire pour que, une fois pour toutes, et ce sera le mot de la fin, et en une minute, parce que y a plein de choses qui nous attendent encore, mais qu'est-ce qu'on peut dire que, voilà, si on doit enregistrer un truc, si on doit enregistrer pour moi, d'accord, la violence n'existe pas. Non, la violence ne doit pas exister. Tu comprends ce que je veux dire? Un éducateur violent, c'est pas un éducateur, c'est exactement ça que je veux dire. C'est un violent, c'est un connard. Et un éducateur qui ne fait qu'une distribution de gâteaux toute la journée, ou qui fait, ou qui a envie de faire penser au chien qu'il vit dans le monde des bisounours, je parle du chien, eh bien c'est un abruti aussi, parce que c'est pas la vraie vie. Parce que vous, comme vos chiens, eh bien vous vivez des peines, des joies, des moments un peu plus compliqués. Ça, c'est la première chose, d'accord? Ensuite, arrêtez de vous faire avoir, s'il vous plaît, l'éducation. Éduquer son chien de façon positive, c'est le rendre heureux, et rendre heureux votre famille, et rendre heureux tout ce qui vous entoure. Voilà, c'est ça, éduquer en positif, d'accord? Toi, tu es positif? Oui. Voilà, point. Tu es positif. Je suis positif. Tu le mets pas, pourquoi on n'a pas Esprit Dog, l'éducation positive? Parce que c'est normal, parce qu'en fait, n'importe quel éducateur canin doit avoir la volonté d'être positif pour le chien et pour le maître. Maintenant, de dire éducation positive, ça s'appelle du marketing. Ceux qui le font en sachant que c'est du marketing parce qu'il leur faut des clients, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'ils ont conscience qu'en termes de référencement, si tu marques ce mot-là, c'est plus fort. Comme comportementaliste. Oui, ça ne me dérange pas. Mais tous ceux qui disent fièrement, nous on est les éducateurs en positif, parce qu'on est les gentils, grosso modo. Vous êtes des ramassis de merde, parce que vous êtes en train de foutre tout le monde du chien dans la merde. Et ceux qui sont violents, ceux qui sont coercitifs, entre guillemets, avec ce mot-là, vous êtes, là encore une fois, des tas de merde aussi. Et donc après, les quelques âmes sensibles qui vont à chaque fois s'offusquer, parce que j'ai dit la semaine dernière qu'il fallait foutre des gants, non c'est cette semaine d'ailleurs je vous l'ai dit, pour aller dans le fond de la cuvette, parce qu'on avait t'as dit quand même aussi, si tu marques positive, ça a choqué quelques-uns, t'as dit, c'est que t'es une putain, tu l'as dit dans un podcast. Et pensais d'ailleurs aux hommes comme aux femmes, là. Et ça a choqué, oui, non, bien sûr, à tout le monde. Ça a choqué. Mais en fait, ça a choqué, parce que bon, d'une part, ils n'ont pas écouté le podcast, ils ont écouté l'extrait, parce qu'ils sont tellement cons qu'ils n'ont pas réfléchi. Mais en plus après, ça peut choquer parce aussi que, les gens. Mais ça choque personne. Les gens intelligents, ils comprennent que ça s'appelle une arnaque, d'accord? Ça s'arrête là. Maintenant, si tu le marques, parce que tu sais que tu peux avoir des clients, et parce qu'il faut bien vivre, ça ne me dérange pas du moment que tu as conscience
que là, tu le fais juste pour le référencement. Mais c'est que comme toi, sur Facebook, par exemple, on ne peut pas marquer éducateur canin. Non. Il faut c'est dresseur de chien, oui. L'intitulé de Facebook. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc ça sert à rien de discuter de dresser ou éduquer. Mmh. Là, pour un éduc, c'est la même chose. Par contre, si tu le mets avec la conviction qu'il y a un monde des positifs et un autre monde, alors t'es mauvais. Mmh. T'es mauvais. Regarde les gens qui sont là. Mmh. Et tu sais ce que les positifs, entre guillemets, c'est-à-dire tous ceux qui se revendiquent, mais qui branlent rien du tout et qui font rien pour le chien, tu sais ce qu'ils vont dire des éducs qui sont passés là ? Ouais, ils n'ont pas dû comprendre la méthode. Et pourtant, Laetitia a été formée. Ils n'ont pas dû être bien formés. Voilà, exactement. Mmh. Parce qu'ils vont déverser de la merde toute la journée. Et moi, je dis, les éducateurs que vous venez de voir là, qui sont capables de réfléchir, qui ont eu des joies, des peines, des bonnes formations, des mauvaises formations, on en tirait des conclusions très pacifistes, très tranquilles. Il n'y a pas de violent, il n'y a pas y a rien du tout. Eh bien, c'est vers ces gens-là qu'il faut aller, parce qu'il y en a de bons éducateurs. Mais un bon éducateur... C'est quelqu'un qui n'a pas un discours extrême. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer que ça comme ça ? Devenez chien. Ouais. Jamais je n'ai prévu un cours. Je ne peux pas. Ouais. Mais j'y suis pour rien. Je ne peux pas. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, laissez faire le chien. Laissez-le arriver. Regardez ce qu'il vous propose. Et ensuite, adaptez-vous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode. Il y a une façon de parler avec le chien. Et pas une méthode d'apprentissage comme si on était en cours de maths. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode esprit dog. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode esprit dog maintenant. Je t'avoue que si on avait envie de se branler un coup, on mettrait la méthode esprit dog. Parce que j'avais plein le cul de voir toutes les méthodes qui arrivent là. Et moi, j'ai même pas la mienne. Très bien. Mais il n'y a pas la méthode. Il y a la méthode chien. Il y a la méthode chien. Tu rentres dans sa tête, tu le regardes, tu le respectes. Et si tu penses que tu as du talent et que tu peux être un chien toi-même, et donc tu te mets à son niveau parce que tu estimes que le chien est ni plus bas ni plus haut que toi, c'est une autre espèce. Si tu rentres dans sa tête et qu'il accepte de te laisser rentrer, parce que ça c'est une autre histoire, et bien à ce moment-là, tu auras du talent et tu aideras des gens et tu leur donneras le sourire. Et si tu ne peux pas, et bien tu ne peux pas. Mais on doit expliquer aux gens, on doit les aider, on doit les aiguiller. Il faut arrêter de les prendre pour des cons tout le temps. Très bien. Eh ben, les choses sont claires en tout cas. Tu as quand même dit que tu étais positif. C'est tout ce que j'ai retenu pour le coup. Ah, je suis crevé. Mais c'est vrai. Je suis crevé complètement. Elle a dit, moi j'ai retenu, bah oui, je suis positif. Bon, bah, très bien, bah, les choses sont claires au moins. Absolument. Parce que être positif, les choses sont claires. Est-ce que je peux résumer en une seconde et demie ? En gros, pour les gens, pour vous qui regardez, en gros, dès que c'est l'extrême, on s'arrache. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, dès qu'on a un discours extrême, on s'arrache. Bien sûr. Voilà. Non, c'est bon, je te relance pas. Je veux juste que tu Mais parce qu'il n'y a pas de méthode. Voilà, c'est bon. Allez, bordel de merde, c'est bon. Tu vas m'entendre. Oui, on va voir les filles. Allez, ça suffit. Ça, d'accord, c'est très rose, cet endroit plutôt sympathique. Ça va, les filles? On n'entend rien. Ah, on vous entend pas, les filles. Ah oui. Ah, super. C'était bien, en tout cas. Bravo, ce que vous faites. C'était sympa. Vraiment, vous faites un bon job, mais on n'entend rien. Merci à tous. Alors, super. Merci. Je vais refaire 5 minutes, si vous voulez. Non, non, c'est bon. Parce que je suis bouillant. Non, parce que là, il faut qu'on aille. C'est bon, on vous entend, c'est bon. C'est bon, on vous entend. Oh, restez là. Venez pas là. Oh là là. On a essayé de venir. Mais c'est que ça se trouve. La semaine dernière, on a réussi. Parce qu'on est venu par surprise. Bon. Ouais, pas tout le temps. Allez, Jess, dis-nous un peu là. Bah, ce débat, ça a débattu un peu sur les réseaux. Oui, beaucoup de réactions. Donc déjà au sondage, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de disparités entre les éducateurs canins ? Ils ont répondu à 98% oui. Oh, c'est terrible. 98%. Quasi l'unanimité. Hein. Oui. Ouais. J'ai quelques retours. Attention, il y en a qui piquent. J'ai Maïra qui dit qu'elle a tellement peur de tomber sur un éducateur farfelu ou méchant qu'elle n'y va pas. La pauvre. Ouais. C'est terrible. Tata Lulu nous dit que son éducateur n'a pas su les aider avec le comportement agressif de leur chien. Il les a donc envoyés vers un vétérinaire comportementaliste qui a mis leur chien sous Prozac sans le toucher, sans le regarder, sans lui parler. Ouais, c'est une chose qui arrive aussi. Hein. Octogone. On peut pas faire ça dans la vraie vie. Si, on peut. Anne, la pauvre, nous dit « J'ai vu un éducateur qui m'a dit qu'il fallait éduquer sa chienne au point. » Elle s'est barrée direct, bien évidemment. Wow, c'est n'importe quoi. Rends-toi compte de la phrase. C'est fou, ouais, la phrase est dingue. La phrase est dingue. Sans gêne, hein. Ah ouais. Et à côté de ça, on a quand même du positif. On a Miss Pique de Cœur qui dit... Non, pour la passe-moi-là. Elle a mis un an à trouver une éducatrice au top qui lui a permis de venir à bout des bagarres de sa chienne et elle la remercie encore aujourd'hui. Bah, elle peut la remercier, c'est dommage. C'est un an, quoi. Putain, un an. C'est un an et puis c'est une minorité, hein, malheureusement. Mais c'est bien.
On a Pierre aussi qui dit, à mon humble avis, le gros souci de la disparité, c'est que la plupart des éducateurs travaillent pour eux-mêmes et pas pour le client. Absolument, mille fois raison. On en a déjà parlé, mais oui. Mmh. Et on a un petit message de Kat qui nous dit, il nous faut des petits Tony un petit peu partout en France. Merci. Bon, en tout cas, oui, bah, 98%, oui, bah, ça représente le débat qu'on vient d'avoir. Ouais. Hein. Absolument. Bélo. Un débat qui a rendu fou, Tony, je crois qu'on peut le dire. Tony, tu t'es bien énervé. Guillaume dit que tu dois d'ailleurs avoir une forme physique assez incroyable pour t'énerver toutes les semaines comme surtout ça. Ce qui se passe, c'est qu'il fait 48 degrés dans ce studio. Non, mais là, c'est un enfer. Là, c'est de la sèche. Là, c'est un enfer. T'as Émilie qui te dit de te calmer parce que ta femme et le monde du chien a besoin de toi. Donc, inspire, expire. Et puis, Master School, j'étais obligée de le relever parce que là, c'est un peu un hommage à Majid et à ces jeux de mots assez incroyables. You can dog it, pas d'extrême. Bravo, bravo. Voilà. Majid valide. Majid. Super. Merci, Majid. Donc, si tu veux collaborer, c'est Master School. Voilà. Merci, Majid. On peut faire un petit projet ensemble. Bon, sinon, évidemment, on a commencé en retard comme d'habitude, 20h05. Alors, certains étaient contents, comme Alexandra. Non. Parce que, du coup, elle n'a pas loupé grand-chose du live. En revanche, ces 5 minutes nous ont quand même fait perdre quelqu'un. Regardez, image à l'appui. Elle attendait et elle a lâché l'affaire avec le retard, elle s'est endormie après. C'est très drôle. C'est très très drôle. Bon, je sais que vous vous inquiétez aussi beaucoup du bien-être de tous les gens qui nous suivent, qui nous regardent. Et donc il y a Younemi qui demande de recentrer les figurines sur les petites étagères derrière vous. Parce que ça le perturbe depuis le début du live. Très bien, on va le faire juste après. Donc si vous pourrez le faire tout à l'heure quand vous repasserez de l'autre côté, ce sera parfait. Très bien, ça marche. Beaucoup de messages pour Majid aussi, comme à chaque fois. Donc finalement, je ne vais plus trop parler beaucoup de vous, mais surtout Majid. Il a un Majid, fan club, hein, Majid. Il a un vrai hein. fan club. Alors, beaucoup de déceptions sur le déguisement qui n'était pas présent. Oui, c'est vrai. Justine, oh non, il n'est pas déguisé. Maëva, pourquoi il n'est pas costumé, Majid? Gaëlle, le déguisement, avec point d'exclamation, point d'interrogation. Sandrine, Majid, où est ton costume de Catwoman? Steven, où est le déguisement? Céline, Majid, il est trop fort, il va entrer dans l'histoire des lives YouTube. Nico, Majid, il se fait virer tous les jeudis soirs. Dan, mon préféré, c'est Majid. Bon, bah ouais, il n'y en a que pour Majid. Très bien, donc, c'est top. Eh ben merci. Bah moi j'aimerais bien qu'on ait des petits messages aussi. Hein. Ça regarde, ça réclame. Ouais, regarde comment ça réclame. Après, donc ah oui, alors non. On se déguise pas, mais c'est on vient pas des vrai. Messages. Ah si vous voulez vous déguiser, on peut vous trouver 2-3 idées. Hein, y a pas de problème. Merci. Hein. C'est qu'à demander. Bon bah à tout à l'heure alors. À ce moment-là. Et à tout à l'heure. Oui. Rome, juste une petite chose. Oui. Moi j'aimerais quand même remercier les gens qui sont venus là aujourd'hui. Hein. Dans les le éducateurs, débat. Les éducateurs oui, ont accepté de venir. Bien sûr. Et aussi ces particuliers qui ont accepté de témoigner, tu vois. Ouais ouais. Parce que. C'est pas facile hein, d'avoir des gens, d'avoir des pros. Et alors en cas, plus, ouais. quand t'arrives à avoir des pros qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables d'être intelligents, de réfléchir, hein, au-delà de tout, tu vois, ça fait du bien. Ah, et c'est vrai, merci, parce que c'est galère d'avoir des éducateurs qui viennent débattre ici. Pas demeurer en tout cas, et c'est galère. Ouais. Et c'est galère, mais même. Allez, demeurer, ils viennent pas de toute façon. Bon, allez, restez là. On va jouer dans pas très longtemps. On va jouer, oui, le jeu que vous attendez. Je sais que vous l'attendez, ce jeu. Et ben, il arrive pour gagner une box gourmande cette fois-ci. Oui, petite box gourmande Pettywell d'une valeur de 100 euros. Il y aura Franco aussi, notre vétérinaire. On parlera chenille processionnaire. Et puis, évidemment, je vous rappelle, grosse annonce d'ici 10 petites minutes. On va vous dire ce que c'est notre grande annonce, grosse annonce de ce soir. Continuez d'essayer de deviner sur les réseaux. On est en direct sur YouTube, sur Facebook jusqu'à 22h30. Et puis évidemment, ce code pour nous faire pardonner de la semaine dernière. On n'avait pas pu avoir ce débat à cause de problèmes techniques. Alors, on a décidé pour se faire pardonner de faire un code promo sur toutes nos formations en ligne. Esprit Doc Show, Esprit Doc Family, Esprit Doc Pro, Prévention Morsure, Premier Secours. Prenez celle que vous voulez avec grand plaisir. Le code, c'est BUG30, BUG30, et vous avez moins 30% là pendant la durée du live. Autant dire que c'est maintenant qu'il faut vous faire plaisir, et on remboursera 10 personnes en plus de ça à la fin du live. Vraiment, c'est pour vous dire pardon, et ensuite on vous annonce la grande nouvelle. Ouais. Oh là, la grande nouvelle. Restez là, on revient dans 2 minutes. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours
particulier avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez des boxes gourmandes Pettywell. Pettywell, des pâtés et des croquettes sans céréales adaptées aux besoins de votre chien, élu produit de l'année 2022. Ce soir, gagnez votre box gourmande d'une valeur de 100 euros pour votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live@espritdog.com. Pettywell, des menus sur mesure pour votre chien, validés par des vétérinaires, à retrouver sur pettywell.com. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de Chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein. Ouais. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de Chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Ouais. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Merci de passer la soirée ici. Hop là, apparition. Bon, hey, vous êtes nombreux à réagir en tout cas à cette annonce qu'on va vous faire dans 10 minutes. C'est quoi l'annonce qu'on a à vous faire? C'est le truc qu'on vous annonce depuis 3 mois. Et bah, ça y est, on va enfin pouvoir le dire ce soir. Il y a pas mal Maëva qui dit Tony va sortir un livre. C'est pas ça. Par non, contre, il y aura un bien. Livre. Il y aura un livre qui sort, ça on l'avait déjà dit, donc on peut le dire. Et j'aimerais bien, moi, que. Hein, oh sais. Oui, on verra ça en 2036. Hein, tu m'as dit la semaine dernière. Voilà. Hein, tu te rappelles? Hein, voilà, on n'en parle pas. Vers 4 qui dit Tony remet toute l'équipe Esprit Dog au sport. Trop compliqué. Trop compliqué, je vais pas te mentir, c'est pas ça. Continuez d'essayer de deviner. Et puis je vous rappelle que pendant encore quelques minutes, vous avez le code promo BUG30. Moins 30% sur toutes nos formations en ligne. C'est le moment de se faire plaisir. Esprit Dog Show, Esprit Dog Family, le pack même. Hein, ça marche. Ça marche aussi sur les cartes cadeaux. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, bah moins 30%, voilà, c'est un top cadeau. Vous pourrez faire croire que vous avez payé tout. Hein. Ça se voit pas en plus. Hein. Donc vraiment, vous pouvez paraître pour quelqu'un de très généreux alors que vous l'êtes pas trop. Donc c'est vraiment un truc pas mal. Et puis évidemment, Esprit Dog Pro hein, en ligne aussi. Et là, moins 30%, ça marche. Et puis on remboursera 10 personnes à la fin de ce live, évidemment. Hein, c'est bien ça? Bah, c'est pas mal. Hein. Ah bah, c'est très bien. EspritDog.com pour aller choper toutes vos formations ce soir. Pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Majid qui est comme tous les jeudis soirs sur le trottoir pour vous poser une question. Ce soir, il pose la question, est-ce que c'est plus facile de draguer quand on a un chien? Regardez. Est-ce qu'avoir un chien, c'est mieux pour draguer? Bah écoute, ouais, quand j'étais plus jeune, ouais, c'était pas mal, ouais, ouais, ça marche bien, je pense. Ah, c'est un aimant à femme, hein. Dis-moi tout. Bah j'ai un Golden Retriever, alors forcément, quand t'as un petit bébé comme ça, puis que tu te balades en ville les 2 premiers mois, c'est, voilà, tu te fais arrêter tous les 2 mètres. Est-ce que t'avais des chiens quand t'étais célibataire? Non, des chats. Ouais, du coup ça marche pas, comment on s'appelle Esprit Dog? Petite anecdote, un jour je me gare, je fais descendre le chien de la banquette, le temps de lui attacher la laisse, j'étais pile poil en face d'une pharmacie, j'ai la pharmacienne qui est sortie qui me fait « Oh mais qu'est-ce qu'il est mignon !» J'ai dit « Merci, c'est gentil. » Elle l'a fait avec cette voix? Ouais, comme ça. Et ma femme est arrivée droit derrière, elle fait « Oui, il est beau hein. !» Bien joué, tu t'es bien sécurisé en plaçant ta femme dans l'histoire. Oui, toujours, c'est important, tu sais, je vais rentrer chez moi après. Bah, je vais te poser la question quand même, est-ce qu'avoir un chien c'est mieux pour draguer? Ah
Ah oui, ouais. Ah. On les aspire. C'est des aspirateurs à sexe opposé de la personne qui tient la laisse. C'est vendeur, ça. Aspirateur à sexe opposé. Et ça attire quel type de personnes, du coup? Ce sont des chiens aussi, je suppose? Ça fait longtemps que je me suis pas fait draguer. Pardon, je voulais pas ramener des souvenirs. Non, je suis mariée, donc... Ah, je savais pas, bravo, félicitations. Merci. Tu es en couple? Comment? Est-ce que tu es en couple? Non. C'est pas de la drague, hein? Non, allez, menteur. Je t'avouerai que j'ai pas souvent dragué, en tout cas, surtout pas quand avec un chien, quoi. Donc, pour te faire draguer? Bah sûrement, je... ça va jamais marcher. Pour avoir des relations sociales en général, oui, apparemment. Des relations sociales, oui. Ah ok, oui. Non, tu me faisais peur, je pensais vraiment que tu vivais enfermé avec ton chien et que... Oui, on vit dans une cave en fait. Et c'est bien d'être dans une cave, alors que son chien serait moins bien marché, tu penses? Parce que t'es beau quand même. Je sais pas, merci, ça me fait plaisir, mais je suis encore plus beau avec mon chien. Ouais. Très fort ça. Oui, pour les mecs, carrément, un bébé chien, ça fait tout. Et pour les meufs? Bah, les mecs ils sont un peu moins sensibles à ça, ils vont regarder la meuf, pas le chien. J'ai jamais été célibataire. Oh, Casanova. Beau gosse. S'il est beau, ouais, mais sinon, non. Genre, si c'est un petit chiot, tu vois, tu vas au parc et t'as d'office les gens qui t'arrêtent, qui sont là, ah, il est mignon. S'il est dégueulasse, bah, ça aide pas, quoi. Le tien était comment? Il était pas très beau. Merci Majid, merci pour et à tous ceux aussi que t'interroges. Est-ce que d'après toi c'est plus facile pour draguer d'avoir un chien? Ça dépend du chien. Ouais. Quand il est con comme un balai, c'est beaucoup plus compliqué. À courir après ton chien, ouais, non, c'est forcément beaucoup plus difficile. Réagissez, dites-nous tout ça, allez-y. Est-ce que c'est plus facile pour d'après vous de draguer si on a un chien? Voilà. Allez-y sur YouTube et sur Facebook aussi. On va parler chenille processionnaire. Oui, bah là c'est la période et attention. Là, ouais. C'est sérieux. Pour c'est coup, la galère. Il faut faire très attention parce que les chiens sont en danger. Et les chiens, et les autres animaux, évidemment. Mais ce soir, on parle chien. Et les chiens sont en danger avec les chenilles processionnaires. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Toutes les explications sont là avec Franco, notre véto. Salut Franco, comment ça va? Bonjour Tony, ça va? Et toi? Très bien, merci. Bien, en forme? Dis-moi, j'ai Mélanie qui flippe un peu. Hein. C'est la période des chenilles processionnaires. Ça fait un petit moment que ça dure. Du coup, en balade, elle est tout le temps en panique. Est-ce qu'elle a raison de l'être? Est-ce que c'est dangereux? Et qu'est-ce qu'on fait surtout? Alors oui, sur des régions où il y a des pins, en cette période, en printemps surtout, on retrouve ces chenilles. Et le problème, c'est qu'elles sont dangereuses parce que si un chien les lèche, ou même s'il les approche, parce qu'elles sont capables de projeter des poils, ça fait des urticaires, ça fait des réactions inflammatoires qui peuvent être très, très violentes. Alors déjà ça pique, mais surtout sur la langue, ça peut la faire gonfler. Okay. Et ça peut même mettre en danger la vie du chien si la langue gonfle jusqu'au point de difficulté le passage de l'air. Moi j'ai déjà vu des chiens qui devaient se faire couper des morceaux de langue ou de truffes. Oui. Parce que ça nécrose. En plus, après l'inflammation, il peut y avoir une nécrose, ça fait des tissus qui sont morts et qu'il faut enlever. Donc oui, c'est méchant. Ah, c'est pas... Oui, c'est plus que méchant. Hein. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première chose, c'est si on se promène dans une forêt, en général c'est dans le milieu rural quand même qu'on les trouve, essayer d'éviter la période pendant laquelle on voit les chenilles. C'est facile à repérer parce qu'il y a une phase du développement pendant laquelle ils font des espèces de sacs. Blancs. Blancs, avec une espèce d'aspect de coton. Et si on les voit, c'est un bon moment pour attacher le chien et ne pas le laisser prendre n'importe quoi. C'est déjà ça. Après, sinon, si le chien est piqué, là, on ne parle plus de protection, mais ce qu'il faut faire, c'est aller vite chez le vétérinaire pour qu'il fasse une piqûre d'anti-inflammatoire. Il n'y a rien d'autre à faire, là. Rincer abondamment la zone qui a été touchée. En contact. Oui. Rincer abondamment. Parce que, il y a une toxine. Et, pour essayer d'en enlever le plus possible. Autant que possible. Mais il faut courir, quoi. Oui. Ok. Tout à fait. Anti-inflammatoire, si jamais il est touché? C'est surtout des corticoïdes qu'on emploie classiquement contre ça. Ok. Est-ce que le chien est touché par quelque chose? Toi, tu essaies de nettoyer avec ta main? Non, il ne faut pas avec la main. Il faut plutôt avec des gants. Ouais, il faut faire attention, en fait. Une serviette, quelque chose. Parce de ne pas toi aussi rentrer en contact, en fait. Voilà, c'est ça le danger. Ok. Enlève ton t-shirt et, plutôt, et nettoie. Plutôt ou... ça. Voilà. Hein, oui. L'homme aussi, il peut être touché. C'est aussi... Disons que ce qui rend plus dangereux la chose pour le chien, c'est qu'en général, leur main, c'est la langue. En fait. Oui. Donc c'est surtout des blessures qu'ils ont sur la bouche. Et alors, là, quand ça gonfle, ça devient dangereux. On en parle beaucoup pour les chiens.
très peu pour les chats. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu, même dans mes clients, qui avaient pourtant des chats qui sortaient, un cas comme ça. Est-ce que ça veut dire que le chat est moins con que le chien? C'est-à-dire qu'est-ce que il fait plus gaffe et il se rend compte que ça pique? Ou moins curieux? Moi, j'ai jamais eu un cas touché par des chenilles. En principe, il est aussi sensible que le chien. Mais bon, je connais moins de maîtres qui promènent leur chat que leur chien. Alors, statistiquement, ça peut créer un biais. Et j'irai pas aussi loin pour dire que le chat est plus intelligent. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu de chat avec ce problème. On fait quand même attention à un petit truc. J'imagine que tu vas me dire que ça marche comme ça. T'as des chenilles, tu peux avoir le réflexe de les écraser. C'est très con. Parce que d'une part, tu vas en mettre sur tes pompes et tu peux les ramener à la maison. C'est vrai. Et d'autre part, tu peux mettre dans l'atmosphère les espèces de... Ça projette des poils et ces poils, ils ont la toxine. Donc il faut bien que tu aies une botte bien imperméable pour faire ça. Puis c'est pas tellement sage. Enfin oui. Mais non, c'est très con de faire ça, je pense. Ah, mieux vaut passer. Il n'y a pas d'intérêt en tout cas. Ben, tu diminues le nombre de chenilles, mais par rapport à une forêt, c'est, c'est peut-être pas la mesure la plus efficace. Ouais. Okay. Et puis il y a un danger, comme tu dis, d'avoir peut-être pas sur le pied, mais après il y a des poils qui sont projetés à une certaine distance. C'est ça. Et donc, c'est gênant même pour nous. Mais tu peux les promener, il y a ton chien qui lèche la botte ou le soulier. C'est le bordel. Tout à fait. Alors je vois en zone urbaine, ils mettent des pièges à chenilles autour des arbres pour essayer de faire en sorte qu'elles ne partent pas au sol. C'est ça, Voilà, parce qu'ils ont, un cycle qui se fait en plusieurs phases et c'est une phase larvaire qui descend de l'arbre et qui se promène pendant plusieurs semaines avant de rentrer sous le sol en fait. Okay. Et après il y a un petit papillon qui sort. Mais en fait le papillon il dure 2 ou 3 jours. C'est une phase très très bref. C'est pour ça qu'on fait pas la relation souvent. Mais c'est vrai qu'on peut les empêcher de descendre en faisant des dispositifs qui entourent l'arbre et qui sont assez efficaces. Maintenant si tu es dans une forêt et en printemps et que cette forêt a des chenilles, il vaut mieux ne pas promener ton chien ou en tout cas l'avoir en laisse. En laisse, voilà. Ok, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et si vous voulez poser vos questions à Franco, c'est très simple. Et ben vous les mettez tout de suite en commentaire YouTube, sur Facebook aussi. On les récupère et puis tu iras lui poser pour la semaine prochaine. On va jouer ensemble juste avant. Je vous le rappelle, vous avez 30% ce soir, moins 30% sur toutes nos formations en ligne sur Espridog Family pour éduquer votre chien, peut-être qui est déjà adulte. Et ben voilà, pour s'éclater avec lui, pour l'éduquer, pour reprendre des petits trucs. Et puis Espridog Chiot aussi, si vous accueillez un chiot, si vous avez un chiot à la maison qui a 3 mois, 4 mois, 5 mois, et ben ça c'est la formation parfaite. Et puis Espridog Pro en ligne si vous voulez en connaître plus, voilà, si vous voulez aller plus loin dans la connaissance du chien, et ben elle est là et elle est à moins 30% ce soir. En plus on remboursera 10 paniers à la fin de ce live, donc profitez-en, le code promo dure le temps du live, donc autant vous dire que c'est bientôt fini, hein, donc profitez-en, espritdog.com pour en profiter. Et puis il y a cette annonce qu'on doit vous faire, on va la faire dans 5 minutes, continuez d'essayer de deviner ce qu'on va vous annoncer. C'est un événement et c'est sans doute le plus gros événement qu'on ait... qu'on ait fait, hein, voilà, le plus gros projet qu'on ait lancé à Espritdog. Alexandra qui dit porte ouverte au centre. Non, c'est pas ça. Vous agrandissez le centre à Canin à Valence. Sans déconner, si on l'agrandit, on rachète la ville derrière, parce qu'il est déjà énorme. Hein. Création de l'émission Dog Chef. C'est pas mal ça, Anaïs, mais c'est pas ça. Il y a Julie qui dit des partenariats avec les éleveurs. Ah bah ça, c'est déjà fait, Julie. On a Inès aussi, hein, t'as vu ? La tant attendue formation sur les sports canins. Ah, pas tout de suite, Inès, mais non. Elle est dans les tiroirs. Et dans les tiroirs, il y a peut-être une autre formation qui va arriver. Il y a une autre formation, on en parle jeudi prochain. Tiens. Ouais, ça marche. Voilà, on en parle jeudi prochain parce qu'en attendant, les formations, elles sont là. Et elles vous attendent avec moins 30% avec le code BUG30 pour nous faire, évidemment, pardonner de la semaine dernière, jeudi noir, hein, comme on l'a appelé dans le milieu, évidemment. Mais pour l'instant, le moment que vous attendez, on va jouer. Ah, voilà, on va jouer. Écoutez, vu qu'on l'a pas fait la semaine dernière à cause des bugs, là, cette fois-ci, la figurine rouge n'est pas au milieu. Ouais, pardon. Excusez-nous, hein, tous. Voilà. Voilà, nickel. Voilà. Magnifique. Sur YouTube, il y a plein de gens qui disent ça. J'espère que ça va mieux. On va jouer la semaine dernière. On n'a pas pu le faire, donc on a répété vraiment pendant 2 semaines pour essayer que ça se passe bien. Mais bon, pas sûr que ça se passe bien quand même. Juliette et 7 sont là avec nous pour jouer. Salut, Juliette et 7. Salut Juliette, 7, bienvenue à vous. Qui est Juliette? Qui est 7? Non, je déconne. On les entend pas. Le retour des problèmes. On les entend pas. Je sais pas si vous les entendez. Nous, on les entend pas ici, Mad. Madjid, réveille-toi. Attention. Ah, parce que on peut pas faire des codes promo tous les semaines, hein, quand même, Mad, s'il te plaît.
Juliette 7, vous nous entendez? Oui. Juliette, j'ai l'impression que je t'entends pas bien. Juliette, toute seule? Est-ce que c'est mieux comme ça? Juliette, c'est parfait. Voilà, parfait. N'hésite pas à monter ici. Juliette et 7, on va jouer à un jeu super simple. Ça marche? Écoutez-moi bien. Comme tous les jeux, 7, je te vois rigoler, 7. C'est pas beau de faire ça. Écoutez bien, le principe est simple. On va vous lancer une petite vidéo. Dans la vidéo, il y a 10 mots qui se suivent en 15 secondes. Donc ça va très vite, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut essayer de bien regarder, bien écouter pour tout retenir. Et ensuite, je vous demanderai à tour de rôle de me donner un des mots qu'il y a dans cette vidéo, d'accord? Le premier qui bloque et qui a plus d'idée, il est éliminé. Enfin, l'autre gagne un point, ok? Ça marche? On joue ça en deux manches. Et vous avez chacun un Joker Tony, comme on l'appelle. C'est-à-dire que... Mais attention, utilisez-le au bon moment, hein, les amis. Dès le départ. Utilisez-le au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous bloquez, vous pouvez dire Tony. Mais attention, c'est pas... lui, il ne les a pas vus non plus, hein, les vidéos, hein, les amis. Hein, donc, attention. Ça marche, 7? Ça marche, Juliette? Nickel. Très bien. Tout est clair? Eh bien, écoutez, on y va avec la première. Nala, Maya, Lucky, Luna, Joy, Naya, Max, Jack, Jazz, Marley, Newton, Lola, Oslo, Charlie, Happy, Oscar, Bella, Neo, Rocky, Laika. C'était les prénoms de chiens les plus populaires en France de tous les temps. Ah ouais? Voilà, historiquement, je vous le dis. Alors, à vous de jouer. Juliette, à toi l'honneur. Marley. Marley, évidemment. 7. Nala. Nala, oui. Juliette. Laika. Laika, c'est oui. 7. Joy. Joy, oui. Juliette. Naya. Naya avec un N. Oui. Oui, c'est dedans. 7. Pas le Joker. Tu as frérot. Le Joker Tony, hein, n'oublie pas. Pas le Joker, frérot, pas le Joker. Ah, je peux demander à ma copine qui est à côté ou pas? Absolument pas. J'en ai un si tu veux, j'en ai un. Prends le Joker Tony. Tony. Oslo. Oslo, c'est dedans. Oui, Juliette. Charlie. Charlie, c'est dedans. 7, il y a plus d'autres Joker. Ah bah Juliette, t'as gagné. Hein. Juliette, un point. Bien joué. Alors, 7, c'est pas perdu. Il faut la gagner, celle-là. Et on fera la belle. Voici une liste d'activités à faire avec son chien. Regardez bien, écoutez bien. Et après, il va falloir tout retenir. Flyball, tryball, agility, dog dancing, canicross, caniroller, canivtt, caniloni, uberrythme, frisbee, traîneau, recherche, ring, de catch, vous avez compris le jeu de mots? Ring, de catch, calvage, sauvetage, troupeautage. C'est pas des sports, ça putain. Allez, 7, à toi de jouer. Canicross. Canicross, c'est oui. Juliette. Canibike. Cani... Tu m'as dit quoi? Bike. Ouais, c'est canivtt, je le prends. Allez, je le prends. 7. Je peux dire cannelloni. Oui, je le prends. Cannelloni, ça marche. Juliette. Caniroller. Caniroller, oui. 7. Agility. Comme a dit la petite voix. Absolument, 7. Juliette. Flyball. Flyball, c'est oui. Allez, 7. Flair pool. Tu m'as dit quoi? J'ai dit flair pool. Ouais, ça marche. Bien joué. Hey, franchement, frérot. Tu sais, il a pris 6 sports. Il a dit, vas-y, viens, ça va, ça va, ça va passer. Ça passe, ça passe. Ça va passer. Et le bird ball. et le... Hey. Bon, 7. Et il va gagner aussi. Non, on peut pas, on peut pas, on a qu'une box gourmande. Mais arrête, un pack. On peut pas. Elle est archi bonne la vanne là. Oui, Juliette. Je lui donne. Mais c'est pas sympa pour. pour Petit Yel, hein, notre partenaire, parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Regarde en plus. Il y a encore l'appel. Il amène son chien et tout, il essaye d'attendre. Il...
parce que moi, dans ma tête, j'ai la tête de Benji. Qui est en train de mourir, notre chargé de partenariat, qui est en train de se dire, putain, mais ils vont pas me le faire tout le temps. Eh, vous savez quoi? Vous gagnez tous les deux. Et c'est la dernière fois, ça suffit après. Voilà. Allez. Évidemment. Eh, hey, Juliette, Seth, merci d'avoir été avec nous. On s'est bien marré. Encore une fois, c'était n'importe quoi ce jeu. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de gagnants, il n'y a plus tout ça. Mais bon, on s'en fout, c'est comme ça et on kiffe. Merci Seth et Juliette, on vous embrasse. Merci. À bientôt. Salut les amis. Merci à vous. N'oubliez pas, moins 30%, c'est ce que vous avez ce soir. La réduction, moins 30% exceptionnelle. Et ça dure encore quelques minutes pendant la durée du live. Donc c'est le moment ou jamais pour vous faire plaisir avec toutes nos formations en ligne sur espritdoc.com, Espritdoc Show, Espritdoc Family, Espritdoc Pro en ligne aussi. Ça marche. Donc faites-vous kiffer. Et en plus, on remboursera 10 personnes à la fin de ce live. Il reste quelques minutes. Donc c'est le moment ou jamais. Mais enfin, c'est le moment d'annoncer. D'annoncer l'annonce, évidemment, évidemment. Sabrina nous a dit une tournée dans toute la France. Non, c'est pas ça, Sabrina. Sabi dit vous agrandissez la famille. Oui, c'est vrai. Quoi? Ah, on va l'agrandir, la famille, hein. Ah oui, bah là, on va faire un bon repas de famille, en tout cas. On va mettre un petit 20 000, tu vois. Un petit repas de famille à 20 000 personnes. Ouais, on va être nombreux. Parce que, les amis, le truc qu'on prépare depuis des mois, hein, maintenant, je vous le dis la vérité, on prépare ça depuis le mois d'octobre. Maintenant, et ça sera au mois de juin. Je regarde, voilà. Genre, je ne sais plus trop. Ça sera au mois de juin. On a décidé de créer le salon Esprit Dog. Ouais. Voilà, ça sera les 4 et 5 juin 2022 à Paris, à l'espace Champéret, avec beaucoup de choses. Salon spécial, hein. Alors voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bravo, vous êtes nombreux à avoir trouvé aussi sur YouTube et sur Facebook dans les commentaires. Salon spécial parce qu'on a voulu faire un salon particulier et différent des autres. Déjà, il faut le dire, c'est le premier salon exclusivement dédié aux chiens. Ouais. Il y a des salons hein, d'animaux, etc. Mais un salon dédié aux chiens, eh ben, c'est le premier. On est très fiers de le faire. Et tout ça, c'est grâce à vous. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre de spécial? C'est pour ça qu'on l'a appelé Esprit Dog Show. Ouais. C'est parce qu'au départ, on avait l'idée d'un spectacle. Oui. Et puis, on a mélangé à ça un salon. Oui. Et ça a fait Esprit Dog Show. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout une scène. Oui. Une très grande scène avec des centaines de places dans le public où il va y avoir du show toute la journée. C'est ça. Et autour des exposants qui vont venir vous présenter leurs produits, tout ça. Il y aura évidemment beaucoup, beaucoup de surprises. On ne peut pas tout dire complètement, mais en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Mais il y aura du chien, évidemment, il faut le dire. C'est avant tout un show avec un salon autour. Hein. C'est un peu comme ça. C'est exactement ça. D'habitude, les salons, c'est vrai que c'est plein d'exposants. Et pourquoi pas, avec une petite scène. Nous, on a décidé de faire l'inverse. Souvent, on ne va pas se mentir, sur la scène, bon, tu as des conférences, c'est chiant, c'est machin. C'est pas le concept. Non, c'est pas le concept vraiment du show. Par exemple, on peut le dire, il y aura des démonstrations de chiens d'aveugles, par exemple, chien guide d'aveugle, chien policier aussi. Il y aura la police, on fera de l'éducation ensemble. On fera de l'éducation tous ensemble. On fera de la rééducation, on fera monter des chiens difficiles, effectivement. Évidemment. Des évaluations de chiens difficiles, tout ça en direct. Prévention morsure aussi. Hein. Avec les enfants. Et avec des chiens. Et avec pour vous montrer tous les mensonges que les gens vous racontent, tous ceux qui font de la prévention morsure aujourd'hui. Eh bien, on vous démontrera qu'ils se trompent et on vous montrera les attitudes. En direct. Et puis, il y aura des soirées spéciales. Il y a des délires. Parce qu'on fera l'élection du bâtard de France. Voilà, on va mettre les croisés à l'honneur. Et tout ça, suivez bien sur les réseaux parce que les concours vont démarrer, évidemment. Absolument. Avant le salon. On fera aussi un grand concours, mon chien du talent. Et ça, c'est vous, hein. C'est vous, évidemment, qui allez participer à ça. Il y aura évidemment des questions-réponses. Oui, on fera des questions-réponses en direct. Hein. Escape Dog, le premier escape game pour chiens en direct sur scène aussi. Bref, vous l'avez compris, gros programme. Et les chiens rares. Et ceux qu'on voit très rarement. Et oui. Un grand défilé de chiens insolites et de chiens rares. Absolument. Ça, chiens qu'on voit pas souvent. Et puis plein d'autres trucs. Et plein d'autres trucs, une soixantaine d'exposants. Bref, ça va être incroyable. On a vraiment hâte d'y être. C'est dans deux mois, le 4-5 juin 2022, espace Champéret. Et on y sera, toute l'équipe y sera, évidemment. On y sera tous, toute la journée. On va se rencontrer, on va franchement se faire des bisous. Ça va être le bordel. Si jamais on peut, grâce au Covid. Ça va être le bordel. Franchement, ça va être n'importe quoi, comme d'hab. Et ça va être génial parce qu'on va le faire avec vous. Pour prendre vos places, c'est possible dès maintenant. La billetterie est en ligne là, tout de suite, maintenant, ça y est, elle est mise. Et je vous le dis, on a voulu quelque chose aussi d'assez accessible, comme d'hab, hein, donc comme à chaque fois qu'on fait les choses, pour vous tous, évidemment. Allez voir, mais je vous le dis déjà, c'est sur le site. La place est à 10 euros. Ensuite, c'est gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans et de 9 à 17, c'est 4,50 euros. Voilà, pour être complètement transparent avec vous. Prenez vos places, elles sont sur espritdoc.com, sur
sur la page d'accueil, vous y allez, vous prenez vos places et on se verra là-bas le 4 et 5 juin, espace Champéret. Ça va être génial, on va être des millions, on va kiffer on tous va ensemble. Kiffer, hein. Et vraiment, on vous prépare des surprises. Et on va mettre un bordel. Gros événement. Là, c'est le bordel. Hein. L'espace Champéret va se souvenir de nous. Je vous le dis, il y a Banzai qui dit est-ce qu'on peut venir avec nos toutous? Ah non, malheureusement, c'est vrai qu'on adorerait. On adorerait. Mais il va déjà y en avoir beaucoup. Et il va surtout. Y a déjà y avoir beaucoup et de chiens sur scène. Et puis, il faut imaginer aussi un petit peu. Imaginez 15 000 personnes qui viennent avec 15 000 chiens, c'est compliqué et malheureusement c'est pas possible à faire, donc non, même si on aime les chiens, vous le savez, ils seront pas acceptés ce jour-là, mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir repartir du salon avec plein de trucs pour kiffer. Vous allez en voir, pas de panique, vous allez en voir du chien. Il va y en avoir, il y a Anaïs qui dit que je bloque ma date, bloque-la Anne, qui dit je viens direct, trop bien, j'y serai pour Marie, cool. Melinda qui dit j'ai pris mes billets, Moussaki qui dit j'ai pris mes places, Marie trop hâte, et merci à vous tous et franchement merci parce que ce genre d'événement c'est grâce à vous, on va pas se mentir, ah ouais, c'est clair. C'est grâce à tout ce que vous nous donnez depuis 2 ans, grâce à vous tous qui suivez les délires, qui nous suivez dans nos délires, et ben voilà un plus grand. Et je vous le dis, ça sera pas le dernier de l'année parce qu'il y aura d'autres délires où on va se revoir, où on va continuer d'aller vous voir, etc. On va faire encore des trucs vraiment fous. On s'arrête plus, hein. On s'arrête plus. Et là, vraiment, le salon, c'est un truc. Voilà, on a voulu faire un salon différent. Des autres qui existent, pour vous, vraiment vous offrir le meilleur pendant un événement et pendant 2 jours. C'est ça. Et vraiment, on va se donner tout le mal que vous méritez, vous, pour vous donner le meilleur. Merci en tout cas à vous tous. Et si vous voulez prendre vos places, vous pouvez le faire dès maintenant sur espritdog.com. Même adresse, espritdog.com, pour profiter du code promo 30% avec le code BUG30, BUG30 pour nous... promis, au salon, il n'y aura pas de bug. Hein. Tout est fait par des vrais professionnels. Mais là, pour nous faire pardonner de la semaine dernière, hein, où il y a eu un ou deux bugs, on a créé ce code pendant toute la durée du live. Il reste encore 30 minutes, le temps de la room. BUG30, BUG30. C'est le dernier moment. Et en plus, on remboursera tout à l'heure 10 personnes intégralement. Donc, profitez-en. Il vous reste 30 minutes, le temps d'aller dans la room. La room t'attend. La room, c'est simple. Vous posez toutes les questions que vous voulez à Tony. Et il y répond, vos questions d'éducation, vos questions des chiens. Si vous avez des questions sur le salon, profitez-en, posez-les. Bref, toutes les questions que vous voulez, c'est dans 2 minutes dans la room, à tout de suite. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particulier avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez des box gourmandes Pettywell. Pettywell, des pâtés et des croquettes sans céréales adaptées aux besoins de votre chien, élu produit de l'année 2022. Ce soir, gagnez votre box gourmande d'une valeur de 100 € pour votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live@espritdog.com. Pettywell, des menus sur mesure pour votre chien, validés par des vétérinaires, à retrouver sur pettywell.com. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com.
Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein. Ouais. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Ouais. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Merci de passer la soirée ici, c'est la gueule de tous les soirs, 20h, 22h30, vous le savez. Eh ben, c'est votre rendez-vous hein, pour parler chien, évidemment. Dans 10 secondes, on arrive dans la room pour vos questions d'éducation. Commencez à les poser, on est en direct sur Facebook, sur YouTube aussi. Vous posez toutes vos questions qui vous concernent vous, hein, avec votre chien. Vous avez un petit truc, un petit problème, vous voulez savoir un petit truc. Ce que vous voulez, vous pouvez poser des questions sur le salon aussi, qu'on vient d'annoncer les 4 et 5 juin, espace Champéret. Eh ben, vous les posez aussi, évidemment. Et puis, je vous rappelle qu'il vous reste 20 minutes pour profiter du code promo 30% sur toutes nos formations en ligne pour nous faire pardonner de la semaine dernière. Donc le code c'est BUG30, BUG30. Faites-le maintenant, faites-vous kiffer, il vous reste 20 minutes, le regrettez pas, là, hop, vous y allez en écoutant Tony en même temps sur la room, en posant votre petite question, vous prenez une petite formation et en plus on remboursera 10 d'entre vous dans 20 minutes intégralement. Attention, hein, c'est-à-dire que même si vous en prenez 2-3, on rembourse un panier à 10 personnes. Donc profitez-en, le code c'est BUG30, BUG30, faites-en bon usage et votre chien vous dira merci. En attendant, voici Tony dans la room. Alors, Elodie, est-ce que le fait d'avoir déjà un chien adulte à la maison, il a 7 ans, va accélérer l'apprentissage du nouveau chiot? Oui, absolument, Elodie. Alors, tu sais, c'est toujours pareil, hein. Là, t'es à double tranchant, c'est-à-dire que ça va accélérer son apprentissage des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Ça, c'est la première, la première chose qu'il faut installer. Ensuite, t'as le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est surtout, oui, ça va accélérer l'apprentissage, mais ne confie pas non plus trop de responsabilités à ton chien adulte. Il faut que toi aussi, tu aies ta part de travail. Mais voilà, pour te répondre, oui, bien sûr que ça va accélérer les comportements, mais ça va les accélérer dans les deux sens. Donc après, c'est à toi de faire un petit peu le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur ton plus grand. Souf souf, est-ce que le refus d'appât peut fonctionner pour qu'un chien ne mange pas les chenilles processionnaires? Ah. Alors, techniquement, j'ai envie de te dire oui, du moment que tu ne travailles pas avec des chenilles. En gros, si ton chien a compris qu'il ne fallait rien toucher, rien renifler, rien machin en extérieur, pourquoi pas? Maintenant, n'oublie pas non plus que le refus d'appât, c'est le fait de ne pas manger. Et le danger de la chenille, c'est qu'il ne faut pas même la renifler ou qu'il mette son museau. Ce qui fait que, c'est pour ça que je te dis, en théorie, on pourrait imaginer qu'on lui interdit même de renifler. Sauf que s'il n'a pas le droit de renifler, eh ben, il est malheureux, il ne s'épanouit pas, il a une vie de merde. Donc, tu vois, là, c'est un peu compliqué. Moi, je pense surtout que si tu te promènes dans un coin où il y a des chenilles, et vous allez le voir, vous savez, sur les pins, vous avez les trucs blancs, là. Franco, il vous l'expliquait. Soit tu peux aller te promener ailleurs, soit tu le laisses en laisse, comme ça, tu peux gérer le truc. Mais je pense qu'il faut faire un peu gaffe là-dessus, et le refus d'appât, à mon sens, n'est pas la bonne solution, là. Pierre, y aura-t-il un stand Esprit Dog dans votre salon? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il y aura un stand Esprit Dog avec les laisses, les colliers, les formations, etc. Sophie, est-ce qu'un Sarlos peut être le seul chien d'un foyer? On voit partout qu'il lui faut un autre copain canin. Il peut tout à fait être le seul chien du foyer, ça pose pas de problème. Par contre, il a besoin d'avoir une vie sociale. Mais j'ai envie de te dire, un peu comme tous les chiens, mais lui particulièrement. Donc, dès qu'il arrive, offre-lui une vie sociale, offre-lui des congénères, offre-lui des potes, sors-le, montre-lui qu'il peut créer et recréer quasiment à l'infini des meutes de chiens. Et c'est comme ça qu'il va s'épanouir, mais tu peux tout à fait en prendre un sans qu'il y ait forcément d'autres chiens chez toi. Martin, j'ai une Golden de 3 mois et demi. Est-ce qu'elle pourra me suivre en rando VTT en montagne? Et si oui, à quel âge? Alors, elle pourra tout à fait te suivre sans aucun problème, si tant est qu'elle est en bonne forme physique, qu'elle est surtout à un poids de forme comme il faut, et que toi, tu montes crescendo en intensité. À partir de quel âge elle peut te suivre? Ça va dépendre de la distance et de la difficulté. Moi, je pense que tu peux gentiment, je dis bien gentiment, commencer à l'habituer au VTT, à tout cet environnement, à partir là de 3 mois et demi, 4 mois. Mais attention, quand je dis l'habituer, c'est pas la faire cavaler 10 bornes et l'éclater.
Mais c'est, si t'as envie de te faire 700, 800 mètres, 1 km, à toute petite allure, qu'elle s'habitue au VTT, qu'elle prenne pas peur, qu'elle apprenne à courir à côté, qu'elle prenne les bons réflexes, tout ça, tu peux commencer maintenant. Et après, si tu la fais monter en intensité crescendo, ouah, je pense que vers les coups de 13-14 mois, là, tu peux y aller et tu peux t'amuser avec. Hein. Alors, faut que je trouve une idée. Alors, j'ai pas le nom, apparemment. Faut que je trouve une idée. Pour un chien de refuge de 3 ans, faut-il prendre Esprit Dog Chiot pour reprendre... Alors, ah, faut que je trouve une idée, c'est son pseudo. D'accord, ok, parce qu'ils étaient en train de m'écrire en même temps. Ok, super. C'est la première fois que je vois un pseudo comme ça. Hein. Pour un chien de refuge de 3 ans, faut-il prendre Esprit Dog Chiot pour reprendre les bases ou direct Esprit Dog Family? Ça dépend justement de où en est le chien de refuge. Si tu as l'impression qu'il est un peu largué, que... rien n'est vraiment solide, rien n'est vraiment consolidé, il n'a pas eu l'enfance qu'il aurait dû avoir, on lui a rien appris, commence par Esprit Dog Chiot. Pour moi, c'est le mieux. Et en plus, dans Chiot, tu auras aussi tous les ordres de base. Le assis, le coucher, le pas bouger, le haut pied. Tu auras vraiment tous les commencements. Donc, comme ça, à mon sens, je te dirais Esprit Dog Chiot. Anaïs, est-ce qu'on peut être bénévole pour vous aider pour le salon? Anaïs, déjà, c'est très gentil de le proposer. Non, tu ne peux pas être bénévole parce qu'on veut que tu sois celle qui va te détendre, t'amuser, kiffer, voir des chiens de toutes sortes, rire, voir le monde du chien tel que nous on le voit et tel que nous on le vit au quotidien. Damien, comment habituer un chien adulte aux chevaux alors qu'il n'en a jamais vu quasiment dans l'optique de faire des balades ensemble? Alors, déjà, il faut savoir ton chien adulte, Damien, comment il se comporte en temps normal. Est-ce qu'il est capable de voir des congénères? Est-ce que quand il voit des chevaux, des vaches, un mouton, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il devient complètement fou? Ou est-ce qu'il a envie d'aller jouer? Ou est-ce qu'il est agressif? Là, on a un vrai... il faut vraiment avoir un petit peu plus d'éléments, en fait, pour pouvoir te donner des pistes. Ensuite, la chose la plus simple quand même, ben, en fait, c'est toi, tu es avec ton chien en train de marcher, et tu as le cheval à côté en train d'avancer avec quelqu'un dessus. Il va falloir que tu prennes un cheval qui accepte aussi la compagnie et la présence de chien. Il va falloir que tu présentes le cheval à ton chien, que tu le laisses renifler, qu'il se rende compte de qui il est. Je suis en train de m'étouffer. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il est agressif ou pas? Et ça, ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, tu as toujours l'option aussi, le cheval est là où il doit être, et toi, en fait, tu vas rester en extérieur avec ton chien. Camille, question pour Tony. Comment déménager sans stress pour mon toutou? Doit-il rester avec moi pour tout voir ou faut-il le faire garder? Le mieux, Camille, c'est que tu amènes ton chien déjà là où il va déménager, là où tu vas déménager. Tu dois l'amener plusieurs fois. Qui s'habitue, qui se détende, qui soit tranquille. Ensuite, sur la préparation du déménagement, effectivement, des fois, c'est plus gênant. J'ai envie de te dire, s'il est habitué à être gardé, alors fais-le garder. Et il y verra, en fait, lui, aucune différence dans son quotidien, si ce n'est que quand tu vas le récupérer, il aura sa nouvelle maison. Si, par contre, il n'est pas habitué à être gardé, alors garde-le avec toi. C'est la moins pire des solutions. Et si tu as un petit peu de temps devant toi, alors, anticipe et commence à le faire garder. Candice, un stage rééducation à Valence avec deux chiens est-il possible? Dans l'absolu, oui, c'est possible. Après, la plupart du temps, c'est un maître, un chien. C'est le plus simple pour pouvoir s'en occuper correctement. Maintenant, c'est parfaitement possible. Hein, ça a déjà arrivé et pourquoi pas. Élise, ma staffie de 5 ans a tendance à pincer quand elle a du mal à gérer ses émotions. Comment réagir quand elle vient me pincer les doigts? Ça dépend ce qu'elle t'appelle pincer les doigts. Alors, si c'est pinsouillé, d'accord, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté, c'est juste que c'est une boule de nerf. Eh bien, il faut, à mon avis, non pas attendre qu'elle vienne pincer les doigts, mais plutôt chercher à savoir pourquoi elle le fait et peut-être plus la dépenser, lui proposer plus d'activités, lui proposer de réfléchir un petit peu plus, lui fournir des alternatives et ensuite lui montrer que elle pince les doigts, non, sort son jouet d'occupation et donne-lui, tu vois. Mais je suis vraiment un vrai partisan de quand il y a un problème, bon, bah, il va falloir le gérer, mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est tout ce qui se passe avant le problème. Et c'est en réglant le avant que tu vas régler le présent et le futur. Marianne, quand je sors mon chien avec d'autres,
Les propriétaires n'arrêtent pas de dire que mon chien est dominant car il snobe les gens. Moi, je pense juste qu'il préfère les chiens. Marianne, ton chien n'a rien de dominant dans ce que tu décris là. Un chien qui snobe les gens, bon, c'est juste un chien qu'on n'a rien à foutre des gens. Il est indifférent. Donc, c'est limite tout ce qu'on attend d'un chien, que ce soit avec les chiens ou avec les humains. Moi, un chien qui est indifférent des chiens, par exemple, et qui adore les humains et qui préfère jouer avec eux, mais les chiens, il ne leur fera pas de mal, parfait. Et un chien comme le tien, qui va snober les gens, mais sans jamais leur faire du mal ou être hostile, et qui va préférer jouer avec des chiens, aucun problème de mon côté non plus. Par contre, ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir avec un rapport de dominance. Hein. Yacine, quand acheter la formation Esprit Dog avant l'adoption d'un chiot? Bah, grosso modo, moi je te dirais de l'acheter... Je te dirais de l'acheter 3 semaines avant. 3 semaines avant l'arrivée du chiot. Ça te permet de te plonger dedans, d'être au taquet, que ça reste quand même assez frais quand il arrive. Tu as eu le temps de voir une bonne partie de la formation, d'acheter les trucs qu'il fallait acheter s'il faut en acheter, et tu es dans la dynamique. Si tu commences à l'apprendre genre 6 mois avant, il y a des gens sur lesquels ça marche très bien, mais il y en a d'autres où tu sais, tu vas la bombarder pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après, tu vas t'user. Et résultat, t'en auras oublié une trop grosse partie. Donc moi, je te dirais, Yacine, oh, je sais pas, 3 semaines, un mois avant l'arrivée du chiot. Alexis, quand... Salut Tony, ma chienne était propre, mais recommence à faire dans la cuisine quand je suis absent. Pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle était vraiment propre? Qu'est-ce que tu appelles propre? Ensuite, qu'est-ce qui déclenche ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'elle panique? Est-ce que tu la sors moins? Est-ce que tu as changé son alimentation? Est-ce qu'elle a un problème digestif? Est-ce qu'il y a un problème d'anxiété? Est-ce que tu trouves pipi, caca ou juste pipi ou juste caca? Ou est-ce qu'elle dort la nuit? En fait, là, Alexis, là, avec cette question-là, moi, je ne peux pas t'aider parce que je n'ai pas assez d'éléments. Mais là, c'est plutôt à toi de te faire la liste de tout ce qui peut avoir été modifié dans son quotidien, dans ton quotidien ou de tous les événements qu'il y a pu arriver. Et ensuite, si elle ne fait, par exemple, que dans la cuisine, bloque-lui l'accès à la cuisine. Juste la cuisine. Juste pour voir si tu bloques l'accès à la cuisine, il ne se passe rien, ou si elle continue à faire dans la cuisine. Mais c'est juste pour arriver à savoir, déjà, est-ce qu'elle va se cacher dans la cuisine pour faire parce qu'elle panique d'un bruit qu'il pourrait y avoir en journée? Est-ce qu'elle considère la cuisine comme ses toilettes parce qu'un jour, elle a été malade, elle a fait dans la cuisine, et résultat, elle s'est dit... Ma foi, ça m'a l'air pas mal non plus ici parce que tu n'étais pas là, donc personne n'a pu lui dire non. Et maintenant, eh bien, elle estime que c'est ses toilettes. Tu vois un petit peu le truc, Alexis, là? Donc là, il va falloir que tu fasses une petite recherche là-dessus. Là. Shana, faut-il ou non caresser le ventre d'un chien qui le présente? Si c'est ton chien, il vient, il tombe sur le côté, il se met les pattes, il veut que ça gratte. Gratte sans aucun problème. Si c'est pas ton chien... À ce moment-là, moi, je t'encourage à ne pas le faire parce que tu peux avoir certains chiens qui ont cette réaction-là, mais ça ne veut pas dire gratte, d'accord? Ça peut vouloir dire, déjà, je me fous de ta gueule, ça peut vouloir dire. Ça peut être simplement un chien qui est en train de mettre ses odeurs. C'est un peu, voilà, si ce n'est pas le tien, ne le fais pas. Si c'est le tien, tu peux le faire sans aucun problème. Il y a plein de chiens qui adorent ça en plus. Hein. Nelly, ma voisine est malade et ne peut presque pas se déplacer. Elle a 2 chiots spits de 3 mois. Elles sont peureuses, non sociabilisées. Est-ce OK si c'est moi qui les balade et leur fais du suivi naturel? Nelly, alors, j'ai envie de te dire, non, ça ne va pas si c'est toi, parce que tu me dis qu'elles sont peureuses, ce qui fait que si tu les détaches pour faire du suivi naturel, par exemple, elles vont s'enfuir. Elles ne sont pas sociabilisées. Alors, ma question, c'est, si tu te sens l'âme et le courage d'entamer ce genre de taf, alors, à ce moment-là, ça veut dire que tu dois déjà, toi, intellectuellement, t'engager sur une grande période. Tu ne peux pas juste dire, allez, une fois par semaine, je vais la dépanner. C'est très gentil de ta part, mais ce n'est pas bon pour les spitz. En revanche, 2 chiots de 3 mois, si tu t'y prends maintenant et que tu arrives à les sortir, ne serait-ce que tous les jours, une fois par jour, même 30, 45 minutes, alors à ce moment-là, oui, ça peut être une bonne idée parce qu'en fait, c'est toi qui vas créer la relation avec eux et pas ta voisine qui peut plus se déplacer. Guillaume, Tony, penses-tu que l'anxiété se transmet? Le chien du voisin peut-il contaminer le mien? Oui, absolument. Très simple. Hein,
Tout va dépendre de quel type d'anxiété. Et c'est pas un virus, l'anxiété. D'accord ? Donc, si tu me dis le chien du voisin est anxieux et est-ce qu'il peut refiler une bactérie à mon chien pour donner l'anxiété ? Non, ça, il peut pas. Par contre, s'il est anxieux, que ton chien l'entend, qu'il entend l'autre aboyer tout le temps ou pleurer, couiner, paniquer, faire le loup, gratter, alors oui, il peut le devenir aussi parce qu'il va dire « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ça peut être un peu plus le bordel. Didi, ma cocker anglais de 1 an ne joue pas depuis qu'elle est chiot, que ce soit avec ou sans jouer, même en l'excitant, cela ne l'intéresse pas. Que faire ? Ou est-ce normal ? Que faire ? Rien. Lui proposer de se balader, de faire d'autres activités. Le jeu avec ou sans jouer, elle n'a pas le plaisir de le faire. Donc surtout, t'inquiète pas, du moment qu'elle n'a pas de troubles de comportement, qu'elle n'a pas de problème annexe, laisse-la tranquille, il n'y a aucun souci. Keaton, tu seras les 2 jours sur le salon ? Oui, absolument, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les 2 jours et les 2 jours entiers. Loïc, notre labrador de 5 mois en balade, prend de la distance. 30-40 mètres, s'assoit et nous attend. S'ennuie-t-il ? S'ennuie-t-il ? Non. Estime-t-il que 30-40 mètres, c'est le maximum où il se sent encore en confiance parce qu'il a que 5 mois et donc il vous attend en disant « Dépêche-toi ». Oui. Ça veut dire quoi, Loïc ? Ça veut dire qu'il y a un problème dans tes balades. Il y a un problème dans ce que tu lui proposes dans l'environnement. Parce que là, le petit père, à mon avis, quand il a 12 ou 13 mois, c'est plus 30-40 mètres, mais c'est 300 ou 400 mètres. Tu vois le truc ? Alors, est-ce qu'il s'ennuie ? C'est possible. Alors, je t'ai dit non, mais c'est possible. C'est possible qu'il ait trouvé ses balades, qu'il trouve ses balades chiantes, qu'il ne fasse pas assez de choses. C'est aussi possible que tu ne mettes pas assez de rythme dans les balades. Courir, faire du vélo, même à 5 mois, tu peux y aller du moment que tu ne fais pas 40 bornes. Jouer avec lui, lui proposer d'autres activités, lui faire faire de la recherche, aller te cacher, faire du suivi naturel, changer de chemin, présenter plus de chiens. Bref, il va falloir que voilà, tu agrandisses un petit peu son environnement, d'accord, que tu l'enrichisses afin qu'il commence à arrêter un petit peu ce genre de comportement. Marie, les 30%, ça marche aussi sur la formation pro en ligne ? Bien évidemment, Marie, ça marche sur toutes les formations en ligne, prévention morsure, chiot, family, et donc la formation pro, sans aucun problème. Je vous le rappelle, le code, c'est BUG30. Bertrand, quand j'attache une longe à mon chien pour travailler le rappel, il la prend dans sa gueule et c'est le bordel. Que dois-je faire ? Alors Bertrand, bon, déjà, il n'est pas con, ton chien. Il a compris que c'est la longe qui le fait revenir. Moi, si j'étais toi, je commencerais à lui indiquer que ce n'est pas la longe forcément qui fait revenir et j'utiliserais d'autres techniques. Alors, une technique toute simple, hein. Pas compliquée, il faut être deux. Une personne qui va tenir un jouet. Toi, tu es là, le chien y va, tu rappelles une fois, le chien ne revient pas tout de suite, la personne range le jouet ou range la nourriture. Terminé, vous reprenez votre balade. Vous attendez 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. On refait la même opération. Je sors mon gâteau, je me mets là, je te rappelle. Tu reviens du premier coup, je te récompense. Tu ne reviens pas du premier coup, la personne range et on continue la balade. Et vous avez comme ça plein de mécaniques d'action pour faire comprendre au chien que si tu fais tout de suite, c'est génial pour toi. Si tu ne fais pas, tu vas perdre ce que tu veux. Et maintenant, réfléchis. Pour la longe, là encore une fois, il est en train d'essayer de couper le cordon ombilical qui le gêne pour revenir. Parce que je pense que tu l'as quand même pas mal travaillé à ce niveau-là. Soit tu changes ton rythme de travail aussi. D'abord, tu le fatigues, ensuite tu travailles, tu lui proposes aussi d'autres activités. Et surtout, tu cherches à comprendre pourquoi le rappel ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que ton chien ne revient pas ? Est-ce que c'est tout le temps ? Est-ce que c'est dans certaines situations ? Exemple, si tu me dis il revient tout le temps, sauf avec les chiens. Quand il y a les chiens, il est relou, je lui mets la longe et il essaye de se la bouffer parce qu'il veut aller jouer avec les chiens. Dans ces cas-là, mon premier conseil, c'est laisse-le aller jouer avec les chiens. Sature-le de chiens. Propose-lui-en 3 fois, 4 fois plus. Une fois qu'il sera complètement saturé, alors à ce moment-là, tu pourras utiliser la stratégie du « je te rappelle, tu reviens, tu repars jouer. Je te rappelle, tu ne reviens pas. Là, tu prends la longe. S'il essaie de la manger, tu ne le calcules pas. Terminé, on se barre. » Et en fait, il doit comprendre que son ennemi n'est pas la longe. Son ennemi, c'est le fait de ne pas écouter. S'il écoute, il a. S'il n'écoute pas, eh bien, ce n'est pas en faisant ce qu'il fait ou en faisant le pitre qu'il aura. Et dans ces cas-là, tu t'en vas. Bain de bouche.
Je pensais pour le fun et pour moi apprendre les ordres à ma deuxième chienne en japonais pour différencier quand je lui parle à elle et à mon premier chien, bonne idée ou pas. Oui, alors tu peux tout à fait apprendre deux langues différentes à tes deux chiens, ça c'est pas un problème. Et au moins ils vont réussir à différencier, pas de soucis non plus. Maintenant, le temps d'apprentissage va être un petit peu plus long parce que tu ne pourras pas te servir d'un gros avantage qui est le fonctionnement par mimétisation de l'un et de l'autre. Ensuite, le temps de parole est beaucoup plus long aussi. Imagine-toi, tu es dehors, tu vas devoir rappeler le premier chien et ensuite il faut rappeler le deuxième. Sauf que ce laps de temps, il s'est passé 5 secondes, 6 secondes. Mais mine de rien, 5 secondes sur un chien qui accélère, je ne sais pas quelle est la race de tes chiens, mais ça peut aller très très vite. Et donc là, tu vas perdre de la réactivité. Donc oui, c'est possible. Oui, ça peut être une bonne idée. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Et là, c'est à toi de vraiment voir un petit peu qu'est-ce que tu vois comme des inconvénients qui sont... on ne peut pas revenir dessus. Et dans ces cas-là, ne le fais pas. Ou alors, tu te dis les inconvénients ne sont pas très graves. Et dans ces cas-là, tu peux le faire. En tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Pauline, Tony, un éduc m'a dit que les chiens n'ont pas le droit de jouer à la bagarre. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Complètement con, l'éduc. Les chiots jouent à la bagarre quand ils naissent et ils continueront tant qu'ils sont avec leurs frères et sœurs. Le fait de jouer, parce que là on parle vraiment de jouer à la bagarre, est en fait un apprentissage de tous les autocontrôles qu'il doit prendre, par exemple. D'accord? Donc, ne pas laisser ton chien jouer, bien en fait, ça équivaut à lui dire « je ne t'éduquerai pas et je ne veux pas que tu sois éduqué ». Et ensuite, tu vas en faire un chien avec des déficiences, d'accord, avec des faiblesses au niveau de ses interactions avec les congénères. Et alors là, vraiment, tu vas tout perdre. C'est fou de dire à quelqu'un qu'il ne doit pas jouer, que son chien ne doit pas jouer à faire la bagarre. C'est complètement fou, hein, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très instinctif, très naturel, qui, avec l'âge, sur certains chiens, s'atténue, parce que ça y est, ils ont tout compris, ils arrivent à se gérer. Donc maintenant, ils ont leurs potes et ils ont d'autres façons de jouer. Et puis, tu as d'autres chiens, certaines races encore plus, qui, elles, vont continuer à jouer à la bagarre jusqu'à la fin de leur vie. Et ça ne pose aucun souci. Et c'est au contraire comme ça qu'ils apprennent les limites de chacun, qu'ils apprennent à se comprendre, à se lire, à capter quand c'est fini, quand il faut cesser une activité ou la reprendre. Ils apprennent aussi à contrôler leur mâchoire comme ça, parce qu'ils sont en train de se mordiller. Ils ne veulent pas se faire de dégâts. Mais si ça appuie un tout petit peu trop, eh bien l'autre va lui dire. Enfin, tu vois, il y a vraiment tellement de bénéfices à laisser deux chiens jouer à la bagarre que vraiment l'éducateur, il est fou, hein. Corinne, je viens de recevoir le collier et la laisse. Top, super Corinne, ça fait plaisir. Joenco, y a-t-il une cohabitation possible entre chiens et des perroquets et quelles mesures prendre dans ce cas? Alors, une cohabitation possible. Je vais te répondre dans l'ordre. Alors moi, perroquet, je ne suis pas un expert. Hein, mais est-ce qu'il y a une cohabitation possible entre deux espèces différentes? Oui, sans aucun problème, d'accord? Quelle soit. Même parfois des espèces qui sont ennemies dans la nature. Parce que dans la nature, en fait, vous avez des espèces qui sont ennemies parce qu'elles ont des intérêts en commun, des intérêts, des choses à défendre en commun ou l'une contre l'autre. Des territoires de chasse, la nourriture, voilà, l'eau, toutes ces choses-là, d'accord, font que parfois deux espèces qui se bagarreraient parce que justement, il y a une raréfaction des biens, eh bien, ne se battrait pas si vous donniez de la nourriture à disposition et en quantité astronomique tout le temps. Vous voyez? Donc, oui, ça peut cohabiter. Maintenant, autant faut-il que le chien soit chiot, que les perroquets soient OK. Et après, il faut savoir comment tu les fais vivre. Est-ce que sa vie... je ne sais même pas comment sa vie, un perroquet. Est-ce que sa vie, comme ça, a l'air libre et ça fait sa vie dans l'appart ou c'est un petit... j'en sais rien. Maintenant, quoi qu'il en soit, oui, c'est possible. Perrine, quel conseil pour habituer son chien à attendre dans la voiture sans aboyer le temps d'une petite course, 5 à 10 minutes? Alors, déjà, Perrine, on fait attention, hein, parce que entre la chaleur ou même 5-10 minutes, il peut y passer. Ensuite, les vols, parce que mine de rien, il y a ça aussi. Il faut faire gaffe. Ensuite, c'est aussi 5-10 minutes où ton chien il se retrouve tout seul dans un milieu clos et il va voir des gens passer, vraiment tout proche. Et là, il se dit, ça peut être un peu la merde, parce que si quelqu'un rentre, j'ai aucun moyen de m'extraire. C'est souvent pour ça que les chiens vont gueuler un petit peu. Maintenant,
Si tu veux un conseil pour qu'il puisse attendre une micro-course comme ça, moi j'ai envie de te dire, donne-lui un os à mâcher ou donne-lui un gâteau ou donne-lui quelque chose qu'il va pouvoir mâcher pendant 5 minutes. Mais ce que tu vas lui donner, tu ne lui donneras que dans la voiture quand tu t'absentes 5 minutes. Et quand tu reviens, tu lui enlèves immédiatement. Et là, ça permettra d'atténuer un petit peu ça. Mais ensuite, Perrine, il y a tout le travail à faire sur la socialisation avec les chiens, avec les humains. S'il n'aboie jamais quand il est en dehors de la voiture, ce sera plus facile pour lui de ne pas aboyer en voiture que le contraire. Oriane, ma mère utilise la boîte avec des cailloux qu'elle secoue quand la chienne, berger blanc suisse, je pense, aboie. Maintenant, elle a juste à dire la boîte, elle s'arrête. Bonne idée ou danger ? Elle est en train d'éteindre l'aboiement. En gros, elle est en train d'éteindre le comportement de la chienne, qui est un comportement qui est naturel, et la chienne est en train de dire « il y a peut-être quelque chose ». Moi, je pense qu'il faut mieux travailler sur le « pourquoi elle aboie ». Je ne dis pas qu'il faut laisser aboyer, hein, mais je préfère travailler sur le « pourquoi tu aboies ?» et je vais te montrer que dans cette situation-là, il y a d'autres options que d'aboyer. Là, Oriane, ta mère est en train de travailler sur l'extinction d'un comportement, à savoir celui d'aboyer. Mais elle ne règle pas la cause, elle ne règle pas le pourquoi elle aboie. C'est en ça que ça me gêne un petit peu, et après c'est toujours un peu sous la menace. Et donc là on voit qu'elle est en train de l'éteindre plutôt que de le résoudre le problème. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Médor, est-ce que le chien se sert réellement de sa queue comme gouvernail quand il nage, ou c'est une légende urbaine ? Non, non, il se sert vraiment de sa queue comme d'un gouvernail. Maintenant, s'il n'a pas la queue, il peut aussi faire sans ce gouvernail-là, d'accord ? C'est un peu moins important qu'un gouvernail. Maintenant, il s'en sert. Tout comme quand il court, il s'en sert aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que si tu prends un chiot, par exemple, qui aurait eu la queue coupée ou qui n'est sans queue, dès le départ, d'accord ? Eh bien, il n'aura quasiment aucun souci. Par contre, si tu prends un chien qui a vécu avec sa queue pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et un jour, il faut lui couper pour x ou y raison, eh bien, à ce moment-là, ce chien-là aura des gros soucis au niveau de son équilibre, de ses courses. Tout va être impacté parce qu'il a été habitué justement à faire des compensations avec sa queue et à faire des compensations de mouvement, et donc à s'en servir comme un gouvernail dans l'eau, mais aussi en extérieur comme d'un volant, d'accord ? Donc, tu vois un petit peu le truc ? Maintenant, non, c'est pas une légende urbaine, ça. Hein. Bon, et ben moi, parce que je peux vous dire que dans ces bureaux, il fait 45 degrés. Je vais d'abord commencer par un petit coup d'eau. Et ensuite, vous dire que là, je pense que ça va être le moment d'accélérer sur le code promo. Bug30, parce que dans 5-10 minutes, c'est bouclé, tout s'éteint, on appuie sur les boutons, on n'en parle plus. Et moi, là, c'est le moment d'aller rejoindre Rome, qui doit être en train, tranquille, ou de se reposer. Il est dans le studio, tranquille. Moi, j'y vais et on va rejoindre les filles pour voir un peu ce qu'elles ont à nous dire. Ça va ? C'était sympa le sauna ? Nickel, le sauna. J'ai failli crever. À un moment donné, un chien qui passe dans ma gorge. Tu vois, juste là. Impossible de l'enlever. Je bois, j'éternue, je... Non. Rien. Ah, mais t'as vu que l'équipe de secours est taquée. Il y en a vraiment... pas un, tu sais, qui est venu me sauver. Hein, ouais. Ou qui a dit, tiens, je vais lancer un jingle, comme ça, il va vraiment pouvoir faire un truc, et on va voir. Non. Ah, rien du tout. Bon, tu l'as dit, en tout cas, il me reste 5 minutes maintenant, juste avant la fin du live, le temps de retrouver les filles, 5 minutes pour profiter du code promo 30%, c'est la réduction que vous avez là encore pendant 5 minutes sur espritdog.com, sur toutes nos formations. Ça marche pour pro, ça marche pour family, ça marche pour espritdog chiot évidemment, pour le pack, ça marche pour tout, pour toutes nos formations en ligne, espritdog.com. en 3 minutes vous l'avez, donc autant vous dire que c'est maintenant, hein, allez-y, hop, vous ouvrez une petite page, vous connectez et vous faites plaisir à vous évidemment, à votre chien aussi et à toute la famille bug30, BUG30, pour choper vos codes promo. Et évidemment, comme promis, on remboursera 10 personnes dans 3 minutes. Donc, il vous reste 3-4 minutes. Après, c'est terminé. Donc, dépêchez-vous. Bug 30, 30% de réduction sur toutes nos formations. Et puis, je vous rappelle aussi, on l'a annoncé tout à l'heure, le salon EspritDog Show qui voit le jour. Ça sera le 4 et 5 juin à l'espace Champéret à Paris. Venez de toute la France. Hein. Venez faire la fête avec nous. Ça va
va vraiment. Ah, c'est la fête. C'est la fête des chiens. Et c'est la fête de tous ceux qui aiment les chiens. C'est le premier salon exclusivement dédié aux chiens. On est très fiers que ce soit nous à l'origine de ce salon. Et ça va être un show incroyable. Ça va être une folie. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on va se voir surtout. Voilà, on va faire un grand repas de famille. Et on va se mettre nus. Voilà, tout nu. C'est dit. Maintenant, pour choper vos places, espritdoc.com aussi. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est l'heure de retrouver les filles. Salut les filles, ça va ? Salut. Ça va, on peut juste rebondir sur le fait d'être nu pendant le salon. Perso, non merci. Non, pour On passe notre tour là-dessus. Ah d'accord. Écoutez, si vous voulez pas donner... Alors, comme vous voulez. Pas nu. D'accord, très bien. Par contre, on se dit que vous avez pas eu de jingle, ça va ? Vous êtes pas trop vexé ? Écoute, on la vire aussi et puis. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que on n'est pas considéré. Oh ouais, si, ah. si, ça va quand même, ça va. On peut avoir le jingle ou pas du D'accord. Coup bah. Ah non, on peut pas. Non, on peut vraiment. Vous voulez que je le fasse, je peux le faire, hein, la bouche, hein, si vous voulez. Pou 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 pou. Ça valait vraiment le coup. Merci. Hein, vraiment. Je préférais le tien d'ailleurs. Comment ? Je préférais le tien. De jingle ? Ouais. Ah, à la bouche ? Ouais, je suis assez d'accord. Et peut-être je pourrais le faire sur scène au salon, ouais, ça. Ouais, ouais. Non ? Et tu feras la mouche aussi. Non. Tu te rappelles ? Ah putain, ça. Et vraiment, les places, rendez-vous sur le site parce que ça promet un bon moment. Eh, ça, on avait vécu un grand moment dans un salon il y a 3-4 ans, je crois, ensemble. Oh, enfoiré. Vous vous souvenez de ça ? Où il y avait une éducatrice pour chat, je crois. Qui a dit à une autre éducatrice. Enfin, de son staff, ouais, voilà, ouais. Mets-toi à quatre pattes et fais la mouche. Et fais le chat, donc qui veut attraper la mouche. Et elle faisait la bouche. Et il y avait une dame qui était comme ça sur scène, elle faisait. Il y aura pas ça. Fou. Peut-être Majid en Catwoman. Ah ça, par contre, on sait pas. Esprit de show. Sûr. Tiens, proposez vos idées de déguisement pour Majid pour le salon. Ouais, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, ce sera les 4 et 5 juin. Et puis, profitez-en. 2 minutes encore pour le code promo BUG30. 30% de réduction sur toutes nos formations. Et on rembourse 10 gagnants tout à l'heure dans 1 minute. Donc, profitez-en. Les filles, sur les réseaux, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Est-ce qu'avoir un chien, c'est mieux pour draguer ? Ils ont été 74% à dire oui. Ah, quand même ! Ouais. Donc on a Walker sur Insta qui n'est pas vraiment convaincue. Elle a dit si t'es un mec, ça doit sûrement marcher, mais qu'elle, jamais personne n'est venu lui parler avec son chien. Ah d'accord. Voilà. On a Snoop qui nous dit que pour elle, ça fonctionnait lorsque son loulou était un chiot. Elle avait droit à des « Oh, il est mignon, je peux le caresser ». Maintenant, on lui dit plutôt « Vous êtes sûr qu'il ne va pas me manger ?» C'est vrai que les chiots, à mon avis, ça marche très bien. Ça doit mieux marcher. Draguer, t'as un chiot, hein. On a Crane Snam qui nous dit qu'en vacances, un de leurs potes voulait tout le temps prendre la laisse de Sleepy en ville pour ça. Donc la vraie question est de savoir si ça a marché du coup. Ah oui, évidemment. On a Virginie qui dit le mien ressemble à une panthère alors personne ne m'approche. Ah oui. Anaïs, si le chien n'est pas beau, ça marche pas. Mais elle dit c'est valable aussi pour le maître. Elle a raison. Elle a complètement raison. On a Charlotte qui pense à Mad. Elle dit, Mad avec son York, ça doit pas être fou pour draguer. J'ai même vu passer un commentaire qui disait, Mad, il emprunte Marley pour aller draguer. Ah bah c'est sûr qu'en même temps, avec son York, mais non, c'est... Enfin si, peut-être pour draguer des personnes de 72 ans. Ça peut marcher, je sais pas. Isolina, hein, qui est la compagne de Mad. On l'embrasse, évidemment. On a Céline qui dit, vu le look que je me traîne en balade, c'est-à-dire bottes dégueu, leggings plein de bave et de boue, à part me faire aborder par des vieux sangliers... c'est pas faux, parce que... Elle a raison. On est dégueu, ouais, hein, en balade. Hein. Balader, c'est pas... Et c'est quand vrai, il pleut, vrai. Je t'en parle pas. Hein. Et comme quoi, il n'y a pas d'âge pour draguer, car on a le grand-père de Fanny qui adore balader son chien à elle. Et grâce à cette petite technique, il connaît toutes les veuves du quartier. C'est vrai. Ouais. Oh. Génial. Bon, bah très bien, bah continue de draguer, bah c'est cool, de l'amour, voilà, ça qu'on aime. Hein. Moi je continue avec Majid. Voilà. Ah, encore bah, ça va, c'est... C'est marqué la gueule de Majid ici ou pas ? J'ai que lui. Pas marqué la gueule de Majid, hein. Alors, Magic Majid, voilà, c'est son nouveau surnom, c'est ce qui est revenu pas mal. Bah c'est pas... Ah, ils ont le même humour, c'est cool. T'es jaloux ? Ouais. Oh. De cet humour, non merci. Non, ça va, on le laisse. Tout à l'heure, j'ai fait un appel pour avoir des commentaires. Alors c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns, donc merci. Juste Camille qui met Jess et Nono les meilleurs, vous êtes notre voix. Donc moi c'est mes... Petite rectification. Donc, hein. Tu vois quand
je disais qu'on n'était pas considérés. Non mais, hey, attends, excuse-moi, mais t'es un peu prétentieuse, peut-être elle voulait dire Jess et Nono, non, hein. Non, viens, la suivante. Bah, si, elle peut pas, elle doit faire des trucs. Voilà. Non, elle a dit qu'elle voulait pas. Laquelle? Zeika. Zeika Nook. Question de ma moitié. Le contrôle qualité d'Élez, c'est Tony qui joue à faire voler Rome. C'est vrai. C'est comme ça. Et à chaque poignet qui part, c'est la laisse est validée. Merci Nono pour ton coup de main. Merci Nono, voilà, t'es vraiment la meilleure, Nono. T'es la meilleure. Et puis Gaël qui dit qu'il va être temps que Tony vende ses casquettes parce que toutes les semaines il en sort une et propose un code promo casquette 50 pour lancer le projet. Au salon, je les ramène toutes, pam. Et on termine avec un défi de Chris qui donc est content qu'il y ait un code promo et qui dit: si Tony dit l'école du chiot c'est merveilleux avec un accent rigolo, je prends tout de suite la formation pro ce soir. C'est l'accent, l'école du chiot c'est rigolo, ça je peux le faire. Ouais, ça va. C'est l'accent. L'accent rigolo. Les accents ça marche jamais trop. Hein. Les accents c'est toujours la merde. Hein. Il y en a eu des problèmes avec des accents, c'est ça, on le va problème. Pas se mentir. Allez, à jeudi les filles, merci. Bisous, c'est vraiment les meilleurs. Je parle de Majid et Nono derrière. Bon, hey, c'est l'heure de vous donner les 10 gagnants qui se font rembourser leur achat. C'est directement, ils ont déjà été contactés et en plus déjà été remboursés. Il y a Rob Pierret qui se fait rembourser, Family, Lola Erlin, c'est la formation pro, Camille Klein, le pack chiot Family, Renaud Palier, prévention morsure plus chiot, il y a Célia Laruelle, Esprit Dog pro aussi, Stan Tribu, pack chiot Family, Alix Sambatitou, chiot, il y a Thomas Risbeck, premier secours plus Family, Podges Dalion, c'est pro, et Guillaume Loum, c'est Esprit Dog Family. Donc ça, c'est remboursé, c'est fait, mais je vous le dis, le code promo, il continue encore 5 minutes, le temps de se dire au revoir, le temps du générique de fin, 5 minutes pour profiter. Les toutes dernières minutes, c'est moment ou jamais. En plus, là, il n'y a plus d'excuses. Nous, on s'en va tranquillement. On vous laisse et on va se dire à jeudi prochain. Vous avez comme ça 5 minutes tranquillou pour aller sur espritdoc.com et vous faire plaisir pour prendre une des formations, celle que vous voulez, même 2, même 3. Le code promo marche aussi. Et sur les cartes cadeaux aussi, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, bug30, BUG30. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Eh, moins de bugs aujourd'hui. Hein, beaucoup moins de bugs, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, il n'y en a eu que 3 ou 4. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal évidemment. Parce qu'on a mis les gants en latex. Je pour aller. Que, ça suffit. La merde. Elle était remuée et c'est la fin. Voilà, c'est le moment de se quitter. C'est le moment de se dire bonne nuit. Merci à vous. Restez sur les réseaux parce qu'il y a d'autres annonces qui arrivent. Ouais. Oh là là, on va vous annoncer d'autres choses. Pas. On va vous annoncer d'autres choses. Et pour l'instant, la grosse annonce c'était le salon évidemment. Esprit Dog Show. J'allais dire Esprit Dog Show, mais non, Esprit Dog Show, ça c'est le 4 et 5 juin à l'espace Champéret si vous voulez prendre vos places, espritdog.com, la billetterie est en ligne. Nous on se retrouve jeudi prochain en direct ici, même endroit. Merci d'avoir été avec nous, passez une bonne nuit, ciao. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmés avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particulier avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. We'll be right back.
Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez des box gourmandes Pettywell. Pettywell, des pâtés et des croquettes sans céréales adaptées aux besoins de votre chien, élu produit de l'année 2022. Ce soir, gagnez votre box gourmande d'une valeur de 100 euros pour votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live@espritdog.com. Pettywell, des menus sur mesure pour votre chien, validés par des vétérinaires, à retrouver sur pettywell.com. Retrouvez Spritdog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, hein. Ouais. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Ouais. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles.